Bah tu dis pourquoi? Eh bien bonjour à tous, salut tranquillement et confortablement ouais, ici. T'as quasiment c'est pas très intéressant. Coup, non, non, c'est pas très intéressant. Bon, je cherche à manger, moi je reviens. Allez, hein, allez, bon appétit. Hein. Attends, il y a encore besoin de quelque chose du coup. Oh là 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 là. Tout est ok du coup? Ah, bien le bonsoir. Ah non, vous étiez... Ah oui, non, c'est... Attends, c'est... Là, vous avez vu, le... Vous avez vu le LSMS, moi c'est... Oui, police, oui. Ça, c'est oui, tout à fait. Je vous prends les deux menus du gouvernement. Ok. Voilà, donc c'est pour au caramel, je pense, c'est ça. Ah ouais, ah et ouais. Bonsoir, monsieur. Je vais être le menu aussi. Ouais, prends-en bah, 3, du coup. J'ai dû faire 50 menus en un quart d'heure, là, vous prenez ah le oui. fou. Hein. Ok, menu gouvernement. Donc c'est 2 chacun. Donc ça fait 6 menus. Mais pourquoi c'est... Bah voilà, je vais passer par dessus, ce sera mieux. Voilà. Ok, ça arrive. Je suis en train de remarquer sur mon gilet, il y a les chargeurs M4 alors que j'avais pas de PPA. C'est beau ça. Oui, surtout que vous avez... Oui, ouais. Ouais, mais c'est normal, ça c'est pour les unités spécialisées, quand ils en ont besoin, hop, ils récupèrent les chargeurs sur les hommes. Ouais. Porte voilà. Ah, tiens, pendant que je vous ai, vous étiez en service à putain, c'était hier soir ou avant-hier soir? Voilà, dans les deux cas, on était en service. Ok, on a entendu des coups de feu dans le canal juste à côté du PDP. SPD, bonsoir. C'était Oula. Vous ou c'était d'autres gens? Ah, bah, nous on a un stand de tir au PDP donc. Non, non, mais là c'était dans les canaux, j'ai vu des mecs courir. Donc, ah, c'était à quelle heure ça tir, mais... c'était vers quelle heure Ah, c'était pas très tard, je pense. C'était 10h, je pense, dans le genre. Ah, bon, on aurait été mieux au courant, je pense. Si ça était quelqu'un d'autre, ça se trouve, c'était peut-être nous, parce que du coup, ça résonne pas mal des fois. Ça résonne non, beaucoup, mais vous étiez pas en train de courir dans les canaux. Ah, non, non, ah, attendez, je prends l'appel, parce que du coup, il y a double appel. Allez-y, allez-y. Je donne à qui? Le Santos Police Department, de bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous appelle parce qu'on est suivi par une voiture. Direct, on pense que c'est un pervers. Jack Taylor. Hein. Je suis Max Harper et je me dirige vers le NSPD. Parce qu'il y a une voiture qui me suit. J'ai vraiment peur. Tellement une rookie. Alors attendez, je prends l'un de tous. Oui, je prends l'un de tous aussi si j'ai un crayon qui veut bien fonctionner. Ah, oui, parce que là, si vous voulez, je suis au niveau du golf, mais j'arrive... En fait, vers la police, enfin chez vous, au LSPD, à Mission Row. D'accord, bah, il y a vous sur le parking directement. Et en fait, qui est devant. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup d'agents au LSPD. Donc, c'est vrai oui, oui. Ah bah, j'ose pas trop accélérer, mais. Je suis toujours. Au bon moment, au bon endroit. Le véhicule derrière vous ressemble à quoi? C'est quoi le véhicule, chouchoute? C'est quoi le véhicule derrière? Bonsoir. C'est un truc SUV noir qui ressemble à une Porsche. D'accord, d'accord. Je prends le numéro de téléphone. Oui. Numéro de téléphone, c'est celui qui est là. Non, ça s'affiche pas malheureusement. Ah bon, bah oui. Non, je connais pas. Ah d'accord, d'accord. Mais c'est Max Harper de l'agence IMO Dynasty 8. Excusez-moi, mais... Oui, d'accord, bah, on arrive, vous inquiétez pas, on arrive. Oui, ah bah, c'est moi qui arrive surtout là. Oui, bah, c'est pas oui. Moi. Là, je suis pas très loin de la place du cube. D'accord. Enfin, des cubes, là, il y a plein de lasers. Il suit toujours en plus. Hein. Oui, bah, Chouchoute, vous pensez que c'est un pervers? On arrive, bah. On arrive. Ah, il a des yeux bizarres, ouais. Non? Oui. C'est bon, tout est on voit pas bien. On est presque là, on passe devant la place du cube et je vais tout droit comme si on allait au magasin de vêtements à côté de chez vous. Oui, oui, bah, écoutez, on va arriver. Oui. Et puis là, je tourne sur la droite. Oui. Je suis presque à vous là. D'accord, bah écoutez, oui. On arrive parce que nous on était sur on est oui. sur la route là. Il suit toujours, hein. Il suit toujours là. D'accord. Je rentre dans le parking ou pas? Bah garez-vous à l'extérieur juste devant. Oui, voilà. Bah oui. Sur le parking public, oui, voilà, on arrive. Oui. Voilà. Mais il y a personne là. Bah il y a Gisèle de la Conta qui est à l'accueil, vous inquiétez pas. Gisèle de la Conta qui est à l'accueil. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait rien, la comptable. Oui, on arrive. Oui, dans combien de temps? Parce que là, il est encore derrière, là. Oui, bah on est là d'ici peu, on est là d'ici une minute. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est un teubé que t'as au téléphone ou ça se passe comment? Non, c'est Max Harper d'une Dynasty 8 qui est suivi par un véhicule. Oui, mais moi, pareil, j'ai eu un appel trop bizarre.
Un mec qui m'appelle. Et yo, big up. J'ai entendu dire que M. Toufik, il aurait pris en otage des flics et des médecins. Est-ce que, là, j'ai en face de moi. Est-ce que si je vous la porte, je peux avoir de l'argent? Étant donné qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'a pas à faire ça, quoi. S'il y aura 57, si on le veut, il sera con. Vous cherchez à la maison. Ah oui. Oh non, mais. Agam 15, on est en 10-25 quand Belize, notre véhicule a eu un problème sur la course. Et bah, Adam 95, quand vous aurez fini, vous rendrez sur le 211. Et s'il y a personne, on fera un clear supérette. 10-4. Bonjour. Et bonsoir. C'est moi, Max Harper. Oui. C'est mon patron qui me suivait, il nous a pas averti. Si lui le pervers. Vous avez dit pourquoi je vous suivais, monsieur Harper, pour venir vous chercher votre voiture. Oui, mais vous avez pas bien signifié, hein. Vraiment, vous avez pas bien signifié, hein, parce que nous, on a eu peur. Bon, bah, ça tombe bien que vous soyez là. Moi et puis le lieutenant, on a des trucs à. On a des, les créances à payer, là, pour les. Oui. Ah, bah, c'est. Voilà. Oui, beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup. Je vous laisse faire le patron, parce qu'il faut que je me remette de mes. Ah bah je peux pas facturer malheureusement, mais je vais regarder combien vous devez. C'est un mois directement. Oui, 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 de toute façon, c'est vous qui récupérez. Oui, bah c'est normal. Alors, monsieur, vous êtes Delfarge, de LFR, Julien. Adam 95, on se dirige sur le 211. On a cru vraiment que c'était un pervers. Hein. Oh, quel enfer ce téléphone. Allô, Max Harper Dynasty, bonjour. Un pervers. Oui, bonsoir. Ah oui, dès que quelqu'un vous suit, c'est forcément un pervers. Il y a 4 semaines, non, mais j'ai dormi tout le temps, moi. Hein. Oui. Alors. Et c'est Mademoiselle de Rochefort, là, derrière, non? Tout à fait. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi. Ok. Ça faisait longtemps que je vous avais pas croisé. Oui, j'étais en vacances. Alors, monsieur Delphin, je voulais prendre combien de semaines? Moi, je suis directement au mois, je paye au mois. Il prend carrément l'année. L'année, oui, vu quoi encore. Ouais. Je suis fonctionnaire, hein, je suis pas. Il y a eu une augmentation, il veut prendre la semaine. Ouais, ouais. Bah franchement j'aurais bien hein, mais il faudrait que l'augmentation soit à la place de capitaine quoi, au moins. Parce que là, voir commandeur peut-être. Commandeur c'est pareil, skip kiff. Hein. Ouais. Commandeur est juste en charge de tous les postes. Adam 95, en tant que commandeur il a quand même la possibilité de négocier la prime quoi, avec soi-même, c'est déjà pas mal. Grise, c'est vrai que ça aide. Alors du coup, votre prochaine échéance sera le 23 janvier. Alors, il y avait qui d'autre entre morts? Taylor, Jake. Vous avez des nouvelles de votre frère? Non, mon frère, ma soeur, rien du tout, je sais pas. À qui je fais la facture et combien du coup? Alors, monsieur Delphin, je vous fais 2800. Eh, salut, comment ça va? 2800 pour c'est vous, hein, c'est ça? Moi, je crois que je vous dois une semaine. Oui, c'est moi. Déjà, et je vais vous prendre. Thiago, ben, salut, Thiago. J'avais récupéré votre carte d'identité. Non, toujours pas. Le commandant, il. Faut j'aille au gouvernement faire une nouvelle. Bah oui, je tarde. Hein. Ouais. Rappelez-moi votre nom, excusez-moi. Delphin, je devais faire, je. Alors. J'oublie à chaque fois d'aller la faire. Du 10. Oh ouais, j'ai une semaine et demie, non? Ou deux? Deux. Voilà. La facture est présentée. Pétale, alors, je regarde tout ça. Alors, vos deux semaines, vous voulez prendre un mois aussi ou pas du tout? Oui, un mois aussi. Alors, 6 semaines. Alors, ça fait un. Bah, la pétale, c'est réglé. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Alors. 4200 pour monsieur Taylor. Nous avons entendu dire que madame Dubois était partie. Oui. Oui, tout à fait, effectivement. Et du coup, qui prend sa place? Attendez, la capitaine est partie? Oui, pour le moment, il n'y a personne. C'est. Oh. Ça sera décidé sous peu. Mais pourquoi elle est partie? Elle est partie en vacances ou. Non, elle est partie. Ah bah c'est que personne fait son temps à un certain endroit. Ah oui, voilà. Merci monsieur Taylor, je vous ai présenté la facture. Merci. Attendez, je termine. Alors, votre première votre prochaine échéance, ce sera 26. Et il y avait quelqu'un d'autre? 97, 18, bonsoir à tous. Non, je suis au motel, moi.
Ah, bah pourquoi vous dormez au motel alors que vous avez des trucs prévus pour vous? Eh, bonsoir. Ah bah c'est que je viens tout juste d'arriver, moi, c'est pour ça. Ah. Ça fait 3 jours que je suis revenu en ville. Bah écoutez, appelez-nous rapidement, d'accord? Comme ça, ouais, vous pouvez louer une maison, vu que vous faites partie du service. Correction, 97 et 17. Public, d'accord. Je comptais le faire, j'attendais d'avoir ma première semaine de paye. Ouais, ce sera un Mirror Park, hein, par contre. Enfin... Vous avez quel grade? Ah ouais, non, moi je suis une recrue, moi. Ah, j'en sais rien, comment ça me saoule, passer par la radio, là, c'est une catastrophe. Après, il y a que 97 qui en attendent de l'espace. Avoir un logement dans le nord, hein. Nous avons quelques logements sur le territoire. Si vous aimez, bien sûr. Ok, à la suite de votre 148, la dame 95, vous ferez un 10-19 et vous partirez en tango avec 97. 10-4, bien prêt. Les gens qui se sont libérés. Et où? C'est à l'hôpital. Okay. Le code 99 PMS c'est directement à l'hôpital. Parfait. Ouais, merci beaucoup, messieurs dames. Hey, bonne soirée. Bon. Ah, bah, passons au béni, s'il vous plaît. Je pensais que vous y alliez, du coup. Oui, bonsoir. C'est les EMS qui appellent. Ne prenez pas en compte l'appel. Voilà. Oui, oui, j'ai vu que c'était à l'hôpital, je m'en suis douté. Oui. Ok, pas de problème. Voilà, c'était tout. Bonne soirée. Merci de même. Pas de problème. Vous savez. Attendait son entrepôt depuis un moment. C'est une heure à moche. Impeccable, comme ça j'ai mis mon radar. Oui. Et il y a monsieur James Clark. Aussi. Il y aura 57, 10, 41, tout secteur. Voilà. Peut-être qu'on aille sur le 288. Ouais, il n'y avait pas déjà. Non, il n'y a personne dessus. Ouais. Mais attends, on va voir le prochain s'il est aussi sur Vinewood. Vu qu'il vient d'en avoir plusieurs, souvent au bout d'un moment il bouge. Ouais. Du coup, 82, est-ce qu'on t'a parlé du radar, comment il fonctionnait, tout ça, ou pas encore? Non, négatif. Ok, alors tu prends la télécommande en main, t'appuies sur le bouton F5 de la télécommande pour l'allumer. T'es en position de pilote? Non, même en tant que copilote, tu peux le... En tant que passager, tu peux avoir accès. Ok, bah j'ai pas accès là. Ah, Essaye le bouton Fire 4. Non, c'est pas, non, c'est pas celui-là, il faut qu'il regarde dans le manuel. Lui. Non, ouais, ouais. Je vais regarder. Okay. Regarde. Toujours mal de gorge, là. Ça doit être speed check, un truc comme ça que ça s'appelle, non? Toggle radar, il me semble, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est de la merde ici. Oui. J'ai eu plein de toggles, mais pas le radar. Attends, je vais regarder, je vais dire ça. Ah, si j'ai fait le tour, j'ai pas vu de toggle radar. Open Remote Control. Open Remote Control, ok. Je crois. Normalement, c'est que les deux places de devant qui peuvent... Vous pouvez l'allumer. Mm-hmm. Parce que moi, avec la vitre, je peux pas.
2415, je peux avoir des informations sur votre 148 ? Sur le 10. Ok, je l'ai, là, il est ouvert. Okay. Alors du coup, quand tu l'as, tu as le... Le central à la dame 95. Premier bouton tout en haut, c'est pour le... ouvrir ton... enfin, allumer ton radar. Je peux avoir des informations sur votre 148. Et après, tu as le même bouton en bas où c'est marqué plaque dessus. Donc tu appuies aussi pour ouvrir la plaque, le lecteur de plaque. Au niveau Vinewood. Ok, c'est bon. Voilà. Donc tu appuies sur toggle plate et ça va t'ouvrir le deuxième menu du radar. Ouais, voilà. J'ai les deux. Donc là, après, tu t'arranges ton espace de travail dans le véhicule hein, comme tu veux. Hein. Parce que tu veux mettre le radar un peu plus à droite ou à gauche, tu fais comme tu veux. Mais sérieusement ? On va y aller. Ouais. Donc ça. Si il y a 57, on prend les 281 Vanwood. Quand tu es en tant que conducteur, tu peux lock la plaque avant-arrière en fait, avec les boutons que tu as sur ton volant, là, 9 et 6. Donc 9 c'est pour l'avant, 6 pour l'arrière. Ok. Quand t'es en tant que conducteur, quand t'as appuyé sur power au niveau de ton vecteur de vitesse, il faut que tu aies donc sur la télécommande, t'as deux grosses lignes sur la télécommande. Je sais pas si tu les vois. X meet hold et. C'est ça. Ouais. Donc, et pour la ligne du haut, t'appuies sur le bouton du milieu. Et le bouton de droite, et pour la ligne d'en dessous, c'est le bouton de gauche et le bouton du milieu. Donc comme ça, ça te marquera après sur radar Shame Mixed, après OPP et Mixed. Ok, ouais, il va falloir que je m'y fasse parce que. Ouais. Théoriquement, si ton radar est bien marqué, là on est à quasiment 30 km/h, qu'à 40. Voilà. Ouais, 36. Donc, ouais, impeccable. J'étais en train de régler un peu la taille de tout là. Ah oui, 88, 18, bonsoir à tous. 88, il est officiel. Ouais, il est OP1, ouais. Et 97 aussi. 97, ouais. 97 aussi, ouais. 19, 18, bonsoir à tous. Ah, 19 aussi, parfait. Du coup, centrale, pour la dame 95, vous resterez en la dame. Et 97, 88 et 19, vous partirez en tango. 14, bien pris, bien pris. On a 46 aussi qui vient d'arriver. La dame 95, on aurait besoin de 10-24 niveau usine. On a bientôt plus d'essence, on aurait besoin d'une backup. Vas-y, on y va. Ok. De 88 à centrale, est-ce qu'on peut partir avec 19 en Adam et on est prêt et 95 par 46? Ouais, 10-4, vous formez deux Adam. Vas-y, du coup, je te laisse te dire que la Sierra, on va en backup pour le 10-24. Sierra 57, on arrive en backup sur le 148. 10-4, bien prêt. 8 de 46, bonsoir à tous. Du coup, on a la dame 19, 98, 97, 46. Direction poste Mesa. 95, il est avec. 61, ouais, c'est ça. Devant poste Mesa. On va les croiser. Ouais, ils sont en train de remonter au nord, je pense. Atam 19, composé de 19 et 88, 10, 41, tout secteur. On est au niveau de station essence à côté de Mesa. On dit qu'on est à 200 mètres derrière. Là, il... Sierra 57, 200 mètres derrière. Ils sont en bas, hein. Ah oui, ils sont partis en bas. Ils sont en bas. Putain. Je crois. Ils sont là. Ils sont là. Oh putain. On va vous laisser passer. Vas-y. Dès qu'il y a la place, vous décrochez, on prend le relais. Et vous allez faire le plein.
Ouais, 77, hein. Ouais, ouais, concentré, concentré. Dame 46, composé de 46 et 97, on départ en 10-41 tout secteur. La dame 19 à la centrale, on est juste à côté des 288 et ce qu'on s'y rend. Ah oh ouais, super, elle repart comme ça. 10-4, prenez les 288. Sur de Vinewood, hein, vous confirmez? 10-4. Ouais, prenez. De son plaque lock, j'ai la dashcam. Oh, voilà, voilà. Ouais, parce que bon, là, comment il a tapé, il repart. C'est évident avec la neige, hein. Ouais, c'est vraiment de la merde là. Qui nous déneige tout ça là, vite fait. La ceinture! Il est où? Bah, je ne sais pas, sous la voiture, je crois. Ah non, il est. Oh là-bas, loin, loin. Ouf! Chut. Tir à 57, code 4 sur le 148, on a eu un 10-52. Tir à 95, on a refait le plein si besoin, on peut reprendre la course poursuite. Il me coupe pour. Il s'est. Oui. Bon, bah, à l'hôpital. 10-5, comme je viens de le dire, code 4. Désolé, j'ai zappé la ceinture. Et il me coupe pour me dire si vous avez besoin, alors que je suis en train de dire qu'on a. C'est une dinguerie. Ouais, oublie pas ta ceinture. Hein. Ah là là. À vous, 82, tu voulais juste aller retrouver Désiré à l'hôpital. Non, bah non, pour le coup, à vous. Faire les interpellations aux collègues quand même. T'as ta visite médicale ou quoi, toi? Visite médicale et tests psychologiques. Bah, impeccable, je ferai le paper en même temps tous les deux. Hein. Non, c'est pas dit que Désiré va le valider. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me demande si c'est pas 19. Madame 19, le chien sur les qui me. Qui a un problème avec le. Avec mon pantalon. C'est quand même très bizarre ça. Enfin, il peut avoir son orientation, mais qu'il le garde pour lui. Donc ce genre de remarque, c'est vraiment bizarre. Mais c'est. Eh, ça court! Mais c'est lui. Bah, il se bloque. Il fait l'escalade. Il avait rendez-vous. Eh, vous savez qu'il avait rendez-vous à 22h. Hein. Et 22h18. C'est pas mal, c'est pas mal. 20 minutes en retard. Ouais, mais 20 minutes là, au Congo, c'est quoi? C'est quoi? C'est 30 secondes, c'est encore. C'est petit. Sierra 57, 10, 6. Hôpital. Oula, oh ouais. Oh là là, mais c'est pas. Hey. Ah là là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas attaché ma ceinture, j'ai un petit accident. Il est passé par la vie de passager, quoi, trop fort rien. Ouais, on va dire qu'il y a eu une petite tempête de neige et il pensait qu'on s'était arrêté, du coup il est sorti ce con. Qui c'est qui va sur l'inter? J'y vais, je te laisse t'en occuper. Ouais, je laisse monsieur. Je vais sur la... Ah ouais. T'as la pire, hein. Bon courage. Je fais quoi? Je t'emmène avec et je te fais des misères ou j'attends? Allez, ça part de là, allez. Et on me laisse tout seul, moi j'ai le droit à rien, non mais franchement. Essayo moyo. Ouais, ouais, au moins tout ça, ouais. Partizano. Oh bella ciao, bella ciao. Ouais, ciao ciao, c'est... ouais. C'est un bar ambiance, en fait. Chaque fois que je viens à l'hôpital, il y a de la musique, ils sont en train de faire boîte de nuit. Du coup, 46, il est parti. Madame 46, prenez les 288 mirrors, s'il vous plaît.
Et Adam 19, vous confirmez toujours être sur les 281 Van Loud. 4. Tu m'as dit 46, il est avec 97. On a 19,88. Adam 97, 19 46. Demande d'autorisation de pied à terre sur les 288. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation pour ça. Ouais, 14. Ah là, c'est qu'avant le capitaine a refusé pour ça. On prend les derniers 288 Mirror Park ou pas Central? Mais il m'écoute pas. Hein. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Pour la dame 46, prenez 288 Mirror bonsoir. Et la dame 19 et 288 Vanwood. On peut faire quelque chose pour vous, les gars? Non, c'est bon, quelqu'un est en train de s'occuper de notre patient. Ok, pas de soucis, ça marche. Comment ça? Donc, vous Adam 80. Adam 95, faites un... 55, Merci de ne pas me couper quand je parle. Donc, Adam 95, vous faites un 19, vous récupérez 07, vous partez en tango. 10-4, bien pris. Eh ben, vous êtes tendu ce soir Ça arrête pas de couper radio, je vais les insulter. Sinon, vous allez bien, vous? Oui. Comment se passe le service pour le moment? Plutôt bien. On va pas dire le mot, hein, mais ouais, ça va. Vous faites chier? Hein, non, là non. Non, ah, ok. Non, vous inquiétez pas. On se fait jamais chier ici. Ah oui, c'est un bar ambiance ici quand il y a pas de. Quand il y a pas d'atteinte. Ah, Wendy. Bon, soigné. T'as soigné la jambe au lieu du bras, c'est ça? Attends, 95. Non, elle a bien soigné le coude correctement. Bon. Pour une fois. Je crois que lui, je vais le mettre en arrêt prolongé, il va pas travailler en fait. Tu vas pas aller sur le terrain, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller dormir, tu vois. Ah ouais. Oh là là. Ouais, si tu m'embêtes trop, ça va se passer. Ah, il est pas ça, après, j'ai encore été obligé de gérer tout le merde et tout ça. 92, ça vous dit quelque chose chez vous? Oui, tout à fait. Ah, il est là ou pas? Ouais, il est sur la route, arrive, on l'a vu. Il arrive à pied, vous auriez pu l'emmener quand même. Il était en train de courir là. En fait, on a voulu, il s'est planqué dans un escalier, il a eu peur de la police. Oh là là. Il s'est caché dans un buisson. Mais non, mais c'est ça, tout à fait. Ça va être bon pour le test médical. Moi, je serais beau, je refuserais. Comme a dit Devon hier, il s'est caché dans un buisson, ça lui a rappelé son pays. Attends, il a dit ça? Oui, Devon, il a dit ça, mais on était en civil. Ah, il a 20 minutes de retard, c'est bon. C'est bon ou pas? Ils adorent. Ouais, c'est trop fort. 20 minutes, vous voulez dire? C'est à 22h son rendez-vous. À la base, c'était 21h. Ah oui. Et il a décalé à 22h. Pourtant, habituellement. Mais là, il était juste à côté, il est toujours pas arrivé? Non. Mais il était juste à côté, mais qu'est-ce qu'il fout? 19, j'ai pris en flag. On l'a croisé, il était juste. On l'a pas, je l'ai pas avec moi. Je vais l'appeler. 92. Il a la chance, j'ai pas son numéro. Il est pas en service? Moi je suis en situé si vous voulez que je l'appelle. Vas-y, donne-le-moi. Tango 95, composé de 95, 61 et 07, 10, 41, tout secteur. Ah, mais je dois l'avoir son numéro à lui, là. Il ne l'a pas donné hier. C'est bon, je l'ai. Bah c'est pareil, il faudra qu'on mette les numéros sur les carnets des rookies. Les old dispatch. Bon, ça j'ai pas mis bien moi sur le nuire. Ça ne me répond pas hein. Ah putain, mais on va devoir envoyer la DB enquêter hein. Ah oh là. Est-ce que vous pensez que je vais accepter sa visite médicale? Ah là, je ne sais pas. Et il a eu un pipi pressant. Bah peut-être, ouais. Là. Après, je l'ai vu monter là sur le rebord de la fenêtre, j'espère qu'il est pas parti cambrioler. Hein. Non mais ça seul m'y répond pas, hein. C'est ça le problème. Hmm. Me dis pas il s'est fait prendre en otage. Oh là. Me dis pas il s'est fait prendre en otage juste là. Ouais, ça peut arriver. Hein. Regardez dans les conteneurs poubelles, monsieur.
T'es là? Non. Il y, y a que de la ferraille là. Tout noir, mais c'est pas lui. Appelé? Ouais, j'ai essayé, ça fait un disponible. Ah, moi ça sonne, mais ça répond pas. Hein. Bizarre. Alors qu'on l'a croisé juste là. Après, à tout moment, il est, ouais, il est dans pipi ou. Oh. Ouais, faut regarder les conteneurs, on sait jamais. Hein. Oh, il y a. Oh, oh, ce que je viens de. Bah, ouais, de la ferraille, ouais. Non, non, j'ai trouvé des pièces. Des pièces? Ouais, des. Je vais mettre une pièce sur la tête de Noramos. Par contre, c'est pas normal qu'il réponde pas. Hein. Ouais, ouais. Alors que ça sonne. Il est pas dans la boutique souvenir à droite là? Pharmacie. Justement, ouais. Mais la réponse. Je crains le pire quand même. Hein. Qui a peur de venir? Je crains le pire. Crains le pire là, hein. Le problème, c'est qu'il est même plus dans les buissons, il est même plus dans la rue. Ah. Son téléphone sonne et il répond pas. Ah! Oh non! Ah, 57 à tous, on a potentiellement une prise d'otage sur un agent en service, Désiré Dembélé, et on l'a croisé il y a 2 minutes, il répond plus à son téléphone sonne, sans réponse, et il avait un rendez-vous à l'hôpital et il s'y est pas présenté. Ou alors il a fait une overdose hier soir et on veut donc bah paf hein. On a regardé là où on l'a croisé. Enfin, il était là dans les buissons là? Bah, mais il était juste là, il était juste là en fait, il était vraiment là là. Ce serait étonnant qu'il se fasse. Oh, vous savez. Oh, vous savez peut-être qu'il est suivi depuis tout à l'heure et qu'il se cachait juste ouais, ouais, ouais. Il y a bien quelqu'un qui s'est fait enlever devant le poste de police pour vous dire. Donc, Puis il était à pied jusqu'à présent, donc il est peut-être suivi. Par contre, quand je vous annonce une potentielle disparition, j'aimerais une réponse en radio. On n'a rien entendu, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. C'est comme pour votre 10-5 de tout à l'heure. Y a des gens qui entendent et d'autres qui n'entendent pas. Donc je vais répéter. On a une potentielle disparition kidnapping sur Désiré Dembélé, agent de police hors service. Il avait rendez-vous à l'hôpital, il s'est pas présenté. On l'a croisé il y a 2 minutes. Et là, son téléphone sonne sans réponse. 10-4 bien pris. On a des 10-20 de la potentielle disparition. Niveau de l'hôpital, 20 à 50 mètres plus au sud. Il y a 5 minutes. Bah, du coup, Tango 95 va se diriger vers les derniers 10 ans. On est déjà sur place avec la Sierra. Ok, la fille. Vous êtes quand même en Defcon 4, la guerre, hein. C'est quand même chelou. Hein. 6 pour 57 ? Bon, ils s'en foutent des Defcon. Allez, écoute. Tenue vestimentaire particulière pour 92. Il est habillé comment? En noir. Ouais, tout noir. Hein. Full sombre. Disquette. Puis le problème, c'est que la nuit est en train de tomber. Donc là. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Ah ouais. Bah, si on reçoit nous un appel d'urgence, on sait de quoi. 1, 2, 3, 4, ce que ça va être, hein. Je vais essayer une dernière fois de l'appeler, ça fera 5 fois. Là, je vais envoyer un message au cas où. Ouais, parce que ça sonne, non, mais ça répond pas. C'est au cas où il pouvait pas répondre, qu'il puisse envoyer un message, mais il répond pas. M46, du coup, on part en code 6 au niveau du secteur Wardog. Bon, et ben on va se mettre en recherche aussi. Let's go. Ouais. Bonne soirée. Les surveillants de l'agent supérieur, vous avez vu des renforts en plus ou pas? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je sais pas. Vous pouvez réitérer le début, c'est incompréhensible, la même 46. Bref, il y en a à radio. J'annonce la fin du D6 ou ils ont pas. Ouais, tu fais D6.
Tu fais le 10-6 hôpital, se transforme en code 6. Bonsoir à tous. Code 6. Sierra 56, le 10-6 transforme en code 6. Moi j'ai été. C'était pas fluide. Hein. Adam 95, effectuez un 19 et vous partirez en tango composé de 95-61. On est déjà 70. En tango 57, vous nous avez mis en tango avec 07. On était le chercher tout à l'heure. Ah oui, effectivement, autant pour moi. Du coup, la dame 19, vous ferez un 19 et vous irez récupérer 78 et vous partirez en tango. J'avais oublié 07. Mais je le vois pas sur la tablette, moi. Bah, après, moi j'ai mis sur l'intranet, enfin sur le Trello, tout est bon. Hein. Ah, ça y est, je le vois. Il faudra juste rajouter le dernier sur le. Ouais, c'est notre dame. Pareil, tu fais parking rouge et tout, tous les trucs les plus bidons. Ouais. Y'a rien, y'a rien. À gauche. Ça c'est étrange. Ah, pour info, essayez pas de sortir par là, hein, c'est pas possible. Comment ça? Fermé en haut? Non, ouais, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Ok. M46 pour le moment RAS au niveau des docks. Discote. M19, on effectue un 19 pour récupérer 78. Peut-être parti chercher à manger, qui sait. Super-être, bah oui, mais il répondra à son téléphone. Puis il était juste à côté de l'hôpital, pourquoi tout d'un coup? Ouais. Puis il répondra à son téléphone si c'était ça. Oui, on l'aurait vu, hein, même si voilà. Le problème, c'est que bah, téléphone répond pas et puis il est pas sur position, donc oui, il y a un truc qui est bizarre. Oui, pour le moment, comme j'ai annoncé radio, c'est une potentielle. C'est un potentiel. Une potentielle kidnapping ou disparition. Donc on n'a pas d'informations complémentaires. Et dire qu'avant ici, il y avait une boîte de nuit. Ah ouais? Ouais. Bah, là, sur. Dire que juste à droite, là, il y a un poste de police qu'il peut utiliser aussi. Oui. Ouais, ça, c'est plus pour les gardes de plage. Hein. Ah, un appel police. Qui c'est qui a répondu? Eh, Speedy, bonsoir. Quelle est la raison de votre appel? Oui. Monsieur Désiré est bien arrivé à l'hôpital. On peut vous rassurer. Ok, merci. Vous je vais l'appeler. Il est parti avec le médecin ou je peux encore l'appeler? Pour le moment, il n'est pas encore avec le médecin, mais. Ok, merci. Ok, très bien, merci. Vous en plaît. Annoncez radio comme quoi il n'y a plus de recherche, il vient d'arriver à l'hôpital. Mais je vais l'enculer, il répond pas. Sierra, pour ouais, tout le monde. Quand on t'appelle, tu peux pas ne répondre. Il est arrivé à l'hôpital. C'est 4 bien 7.
Ouais, sauf que là, on a fait, on a déployé des recherches pour un potentiel kidnapping de toi. On t'a croisé, on a attendu 5 minutes à l'hôpital, t'es pas arrivé, on t'a appelé 5 fois, on t'a envoyé des messages et tu répondais pas. Ah ouais. Bah, ça aurait été bien de répondre aux appels ou SMS. Tango 19, composé de 19, 88 et 78. Ah ouais. Et vous étiez passé où? Parce qu'on vous a croisé, vous étiez sur la route de l'hôpital à 50 mètres. Vous avez mis une demi-heure à arriver. 18, l'appel du central, c'est pour retirer un bracelet pour celui qui doit le prendre. Peut le prendre. Ok, ok. Ah bah allez, bon courage. Hein. Ouais. Il n'est pas obligé de mettre suprême à chaque fois. Vous l'avez annoncé comme quoi c'est... il est à l'hôpital, oui. Sinon. Oui, oui, c'est bon. Qui c'est qui veut retirer son bracelet, là? De Tango 19, on est vraiment à 200 mètres, est-ce qu'on s'y rend? Putain, chaud, tu fais du braquage à thème. Prenez le... c'est pour le... pour le 211. Ouais, allez-y, prenez le 211 à Dame 19. Enfin, Tango 14, on s'y rend. Le 4 café est toujours pas été repris, il me semble. Une idée. Non, mais il va pas être repris pour le moment. Mmh. C'est bon, j'ai réussi à mettre votre call 582. Ah, parfait, merci. Le 211 parking central se transforme en 148 d'une Oracle XS équipe composée deux fois du 50 de l'individu. C'était rapide. Ouais. Alors rebosser les calls radio, hein. Je sais pas qui c'est qui les fait là. Bah je pense qu'il l'a fait un peu tard en fait. Fait qu'il a tout comprimé en un seul call. Mmh. Vas-y, va vers parking central, ouais. Rouge. Pour 78, c'est bon, tu l'as ou pas? 10-5, pardon.
par ici. J'entends les gyros. De l'autre côté, non? Ouais, peut-être. Droite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais pas ce qu'ils sont passés. J'entends plus les gyros. Adam 80... Tango 95, vous effectuerez un 10-19. Et on va split en deux Adam. Adam 95 et 61, ainsi que la Dame 27 et 07. Qu'est-ce qu'il y a de rentrer ? Le Tango 95, 10-19. C'est qui votre référent 82 déjà? 27. Bon, on va. Moi, je propose de faire un 19 général et on refait un dispatch. Non, juste nous, on va y aller. Okay. 10, il y aura. 10... On fait un 10-19. On va récupérer 07 avec nous et tu vas partir avec 27. Ok. Sierra 57, 10-19. Madame 19, code 4 sur le dernier 211, actuellement 10-15. C'est un qui m'appelle. Oui, 61. Allô? Voilà, 57. Allô? Oui, j'avais une petite requête à vous faire. Oui, je vous écoute. Je voulais savoir si je pouvais partir avec 27 au lieu que 07 le fasse, sachant que je vais rejoindre la DB plus tard. Ça serait plus intéressant de... Non, parce que du coup, on a changé. 27 va partir avec 82 dans son rookie. D'accord. Donc, non, c'est pas possible pour le moment. Une autre fois. Ok, pas de problème. Allez, c'était safe. Merci. Hop, on va monter. C'est ça, Pichal. Adam 46 départ dans un 148 pour refus d'obtempérer d'une ici noire. Bon, il est pas là, je sais pas où il est. Mais tout le monde a décidé de pas me répondre ce soir ou ça se passe comment? Bizarre, attendez, je vais essayer d'appeler pour voir. J'appelle, ça répond pas, c'est une dinguerie. Est-ce que je dis bonsoir, que puis-je faire pour vous? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bah un agent va venir s'occuper de vous. 27 de 77. Tu sais faire fouiller ou pas? Bah j'en ai fait une hier, mais j'ai pas pu la faire complète parce qu'elle était pas dans les registres. Bah va voir l'accueil, là il y a Madame Moss qui prend un véhicule. Ouais, rejoignez-nous au niveau de l'accueil en bas. 10-5 pour le moment, je peux pas, je dois régler un problème sur les tenues. Ouais, c'est reçu. Bon, bah, c'est pour ça qu'il répondait pas. Ok. Juste récupérer 07. Ouais. Bah, du coup, 27, je vous informe que vous partez avec votre rookie et nous récupérons 07. Ouais, s'il vous plaît. J'ai juste entendu s'il vous plaît. Ouais. Bah, du coup, 07, vous partirez avec 57 et moi-même. Hein. Très
Très bien. Bah, je vais devoir vous les confisquer pour la Madame bah, pour vérifier la traçabilité. Et pour ce qui est de votre téléphone, madame, je le prends. 95 et 19. Vous voyez pas d'inconvénient à ça, madame? Impeccable. Vas-y, venez avec moi. Je vous demandais de déposer vos affaires juste ici. Chaîne, collier, lacets, tout ce qui peut servir à vous étrangler, vous tuer, vous blesser. Oui, bonsoir, c'est le LSI. Bonsoir, lieutenant. 95 se transforme en Adam 95, composé de 61 et 95, repris de 41 secteur. Oui, pas de soucis. Il va juste falloir carte jetée pour faire un mugshot et prise d'empreinte. N'hésitez à en jeter, s'il vous plaît. Attends. Pas de soucis. Pas de soucis. Oui, allô. Vous êtes tous cette téléphone. On est en bas, nous. Ouais, je parie. C'est pas un miracle. Hein. Oui. Tu veux la lui rendre, parce que la carte, c'est moi qui l'ai eue, donc redonne. Redonnez la carte, madame. Voilà. Non, toujours pas. Voilà. Non, toujours pas. Inaya Carter. C'est bon. Vous êtes venu quand, madame? Ok, j'ai compris, en bas dans le parking. Mademoiselle, vous êtes née 96. La date complète. Du coup, y'a qui dans ta patrouille là? Y'a 88 et 78. Pourquoi il est mis 26? En tango. Vous seriez bien âgé. De quoi, on est combien? 90. Bonjour. D'accord. Ah, bonjour. Maître Guillaume, son avocat, place. Si tu veux aller chercher. Je vais le chercher, je vais le chercher. Vas-y, mettez-vous juste ici. Alors moi je voudrais juste la quantité maintenant qu'on est plus serré parce que j'ai besoin de votre nom exact. 78. Okay. Et votre date de naissance. J'ai l'avocat apparemment. Ouais, bah j'ai fini de prendre les infos. Attendez, donnez-la moi, oh mon dieu. Non, il y a tout le monde qui la récupère sauf moi. C'est bon boy là? Non, toujours pas. Ok boy, viens, boy, viens. 2, 4, 5, 6. Elle a demandé un avocat. Allez-y, bougez pas. 97. En fait, lieutenant, elle demande un avocat parce qu'il y a un... Oui, on m'a expliqué. Je vais venir avec moi, s'il vous plaît, de mettre vos... Adam 95, on est à 200 mètres du 211. Et bah allez-y, prenez le 211, Adam 95. Je vous laisse avec, notre officier de droit, Stéphie. À moins qu'il vous envoie avec quoi quelqu'un d'autre. Quoi qu'ici hein. Bonsoir. Bah, l'avocat, il veut le rapport d'intervention. Ah, j'en sais rien, je suis juste de passer en intervention. C'est les agents qui m'ont appelé, qui gèrent leur truc. 88, mais oui. 88, t'étais sur intervention? Oui, oui. Allez, je suis sur son rapport. Amusez-vous bien. Adam 95, je suis en 148. Le problème, c'est que j'ai mon passager qui a fait un code 404, donc je suis en Adam. Est-ce que tu peux prendre une vite fait ou pas après, je ouais, vous, vous annulez le 148 et vous récupérez votre collègue. Pas tout ça. 88, il est qui là, Rookie 88 46. Attendez, je rédige le rapport et je vous l'envoie. C'est Maître Job, c'est ça? Maître Job, c'est ça. Adam 46, du coup, on prend le relais sur le 148. Il est déjà parti. Hein. Il est disqué de Adam 46. Bonsoir. C'est où les cellules? Oui, merci beaucoup. Bonsoir. C'est pas possible, il y en a qui ont pas ouvert leur tablette. Alors, ceux-là. Putain. Bonsoir, Isadora. Mais arrêtez de me parler comme ça, là, vous faites de l'ASMR dans mes oreilles. Non, Isa. Oui. Tu t'occupes de la dame? Oui, vous pouvez vous occuper de madame en cellule 1. Pour ceux qui sont pas en procédure là, vous repartez en patrouille. Et monsieur l'avocat, vous allez pouvoir vous entraîner avec elle dans deux petites.
Madame 46 de mon autorisation pour les derniers 288. Autorisé en 46. Ici disquette, Madame 46, on se rend sur les derniers 288 situés à Mirror Park. Il est déjà 23h? Sérieusement? Ça marche? Vas-y, pas de soucis. Vas-y, je vais. Composé de 27 et 81, 10-6 Belize. Hein? De 27 et qui 22 ou 81, il a 80, dit 80. Il y a pas de 80. Non, c'est 82. Ouais. Je sais pas, j'ai entendu 80. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Bah, mais il y a pas de 80. C'est pour ça que je dis putain, on va aller loin. Ouais, du coup d'après la scientifique c'est formel, les billets ils sont marqués au nom de la banque de San Andreas, donc ils sont marqués. C'est elle qui les a pris en braquant. C'est les billets de la TM. 78. Oui. C'est quoi la date de naissance de madame? Attends, je sais 48. Ouais, c'est 96, elle est en 96 le 06-10. Comment ça va aller? Non, le 10-06. Repos 77. Pardon. Laissez tout bon. Et calme. Oh, c'est bon, voilà. Salut. Merci, passez une bonne soirée. Bonne soirée. On peut repartir tout seul comme des grands? 07, raccompagne-les. Je vais juste aller chercher. 07 va vous raccompagner. Hop, son avocat, il est devant. Ouais, allez-y. Ah, ok. Non, c'est monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous faites avocat aussi? Alors non. 78, t'as bu quoi là? Pardon? Non, oui, pardon, je suis fatigué, très fatigué. Bon, allez-y. Bah, du coup, ça nous dit de se laisser. Emmener madame ensemble. Oui, bah, oui, avec l'avocat, quoi. Oui, bah, allez. Bienvenue, madame Carter. Ouais, hop, allez, monsieur, hein. C'est pour quelqu'un comme ça. Du coup, vous avez, oula, attention maître, vous allez bien? Ah, vous pouvez, 117. Vous pouvez rentrer là. Mais un SP 117. Ouais, repos. Maître. Ok, du coup là, vous avez 10 minutes avec votre client, il y aura personne, du coup, tous les micros et caméras sont coupés. Personne derrière la vitre et vous, ça fait 10 minutes avec. Rapport d'arrestation, vous aurez le casier, oui. Pour un anathème, il n'y a pas de rapport écrit, mais si vous voulez. Bah, du coup, non, mais bah, les détails seront dits oralement avec mes agents. Procès pour central, possibilité d'enlever le bracelet de monsieur Tailleur. Et bah, vous allez voir mes agents qui vont vous faire le rapport oral de l'arrestation. C'est qui vient de parler en radio? C'est comme ça avec 07. Vous voyez, avec un membre de la DB. On a du coup en liquide exactement? On a exactement 3 477 $. Madame 27, je l'aime pas celui-là. On repart en 41. Oh, je devais pas venir là, s'il vous plaît. Oh, coup, maître, coup, maître Tam, qu'est-ce qui me manque, putain. On doit faire un rapport du coup ou je... Non, le rapport c'est que oral, il n'y a pas de rapport écrit pour un ATM, il va se le manger son papier. Hein. S'il lui demande, vous lui dites à l'oral ce qui s'est passé, précisément. Point. La procédure avec les avocats et intérieur même du LSPD, ça a toujours été
rapport seulement pour des délits majeurs. Étant donné que ce n'est pas un délit majeur, il n'y aura pas de... Il n'aura pas de rapport. Avec les avocats, ok, ouais. Surtout que, bon, j'assume, si faut... Madame 61, vous êtes disponible pour GoFast. Parce que j'ai eu un space, mais que je lui ai mis un coup sans faire exprès. Oui, mais tranquille. Négatif, 61 n'est toujours pas revenu de son 4404. Ouais, c'est reçu. S'il est pas content, il voit avec le procureur. Oui, et vis-à-vis de... Et il fait changer les procédures. Mais c'est pas un qui va casser les couilles à tout le monde, hein. Oui, et du coup, c'est ce que l'avocat demande, nous, on touche à rien, on laisse le procureur gérer. Mais on n'est pas loin de l'highway, hein. S'il revient et qu'il y a de l'air, c'est qu'il on peut... C'est les procédures internes, c'est avec les avocats. Ils peuvent avoir accès à des rapports si c'est braquage de banque, braquage de bijouterie, kidnapping, prise d'otage, mais pas pour un ATM. Oui, 07. C'est qui? Qui ça? Tu fais l'entrée dans le casier ou tu veux que je la fasse? 19. 22. 22, 12, non, pour le moment on lui retire rien lui. Il repasse... Attends, 22. Il repasse dans 2 jours. Il repasse dans 2 jours et là il y aura peut-être un changement. Tu veux le faire 78? Bah je m'en fous en vrai mais... Oui, 46 de 77, votre situation actuelle. 38 sur Mirror Park. C'est bien pris. Une fois que vous aurez fini, vous me contactez radio. Allez, un nouveau casier, donc faut aller en ouvrir. Ok, Adam 95, je viens de récupérer 61. Est-ce qu'on part sur le... Affirmatif. Bien, chez avocat. Bien, bien, bien. Bah, il veut quoi maintenant? On le fout dessus, on lui met son petit amende et voilà. Hein. Ouais. Bah, oui, l'avocat il réclame rien donc. Il réclame rien. Putain, j'ai du mal ce soir entre. Du coup. C'est quoi cet avocat je sais pas, de Wish? Je sais pas, bah, il a peut-être eu son diplôme sur Wish. Hein. Du coup après je fais une recompo, 46 qui part avec son rookie et puis... Je suis redonne la centrale pour moi. Ouais, ouais. Bonsoir. Ouais, ouais, pas de problème. Du coup vous avez aucune réclamation ou... Bah non. On a indiqué à votre cliente que c'était dû à un spasme musculaire dans nos agents. Malheureusement c'est le concept. Quand c'est pas fait exprès, on ne peut pas le maîtriser. Bien, bah dans ce cas-là, on va appeler le procureur. Qu'est-ce qui... Parce que nous, on va pas, on peut pas toucher à ça, et puis en plus, chipoter pour un braquage d'ATM, c'est pas notre problème. Donc on appelle le monsieur le procureur, il va s'occuper de ça. Adam 61, bon, vice de procédure. En 148 sur une Banshee Blue 900R, une Banshee 900R Blue, Metallic Blue, pardon, en direction hôpital. Non, c'est reçu. Le spasme, vous savez, bah, je sais plus c'était qui entre les deux. Du véhicule. Et il est juste avec le spasme, mais bah, du coup, il veut vice de procédure. Mais vice de procédure pour un ATM, il se fait chier dans la vie, lui. Hein. Attendez, je vais regarder un truc. Voilà. Comme vous voulez. C'est dommage, hein, parce qu'en plus, c'était. Parce que lui, il me casse les couilles, donc je vais chercher le moindre truc sur lui. Oui. Puis. Du coup, les gars, une fois que vous avez fini tout ça, 1988, vous repartirez ensemble. 78, tu partiras avec ton référent, donc 46 par la suite. C'est bien pris, 117. Ouais, les gens vraiment envie de nous casser les couilles. Non, on s'en fout, hein. Franchement, c'est plus sérieux que ça fait chier que nous. 19 avec un 10-15. Moi, je m'en fous, hein. C'est reçu. Mais juste complicité, enfin non, juste coopération, elle est coopérative et elle n'est pas connue des services. C'est chiant de déranger le procureur pour ça, quoi. Je suis en train de faire son entrée dans le casier.
puce, vous avez appelé les médecins, donc quelle vice de procédure, qu'est-ce qui casse les couilles? En fait, il joue sur le fait qu'elle a dû être soignée et qu'elle a dû payer. Enfin, même pas, elle a même pas payé. Mais elle a pas payé et c'est pas un vice de procédure, du coup. Il connaît même pas le terme vice de procédure. Il aurait dit bavure encore. Bah, bah, si tu fais un dépôt de plainte, hein, s'il y a une bavure. Oui, c'est ça, mais là, il n'y a pas de vice de procédure. Je vais appeler le procureur. Il va me confirmer, mais il n'y a pas de vice de procédure, donc il va aller se faire enculer. Ah bah, il répond pas. Donc, bah, il va se faire enculer. Donc, s'il n'est pas content, il dépose une plainte auprès du gouvernement pour soi-disant vice de procédure et elle sera remboursée, mais ça passera pas. Ok. Vous voulez lui parler, lieutenant, ou je m'en occupe? Donc, rebonsoir, maître. Étant donné que Matt a subi effectivement un de mes agents qui a glissé, qui lui a mis un petit coup, et les médecins ont été appelés, se sont occupés d'elle, et elle n'a pas payé, donc il n'y a pas de vice de procédure. Je vous inviterai donc à réapprendre la définition de vice de procédure. Elle, donc, elle écopera de son temps de cellule ainsi que son amende. Si cela ne vous plaît pas, je vous invite à vous rapprocher du bureau du procureur, d'effectuer un dépôt de plainte pour vice de procédure, entre guillemets, et c'est le procureur qui tranchera. Si il tranche de votre côté, elle sera remboursée et son casier sera blanchi. Si il tranche du côté de la justice, et bah ça restera. Ok ? Parfait. Du coup, mademoiselle, je vous invite à suivre mon collègue qui va vous ramener en cellule, vous mettre votre amende. C'est pas le boy qui m'a frappé. Non, non, le collègue qui s'est occupé de la procédure depuis le début. Et vous serez libéré en temps et en heure. Merci. Pas de soucis. Un de mes collègues va vous raccompagner, ouais, maître. Ouais, attendez-moi à l'accueil, maître. Ouais. Comme ça, discuter. Merci, maître. Bah 07, tu raccompagnes le... Ouais, 07, raccompagne, maître. Allez, je vous laisse aussi. Tu as dit, elles ont dit ce qu'il y a. Ah bon, c'est pas avec moi qui ça va marcher, ce genre de choses. Non. Ils sont toujours deux personnes, non? C'est quoi ton matricule, déjà? 88. Bah voilà, c'est 88. Je vais mettre... Bon, 46 qui est en train de rentrer, magnifique. Non, bah pas du tout, non, je suis arrivé là, je vous ai dit, il sort du bureau d'échange, enfin l'aéroport, après le taxi m'a emmené là-bas, et il m'a dit, oui, ici, c'est sympa avec le lac et tout, du coup, bah, il fait le tour, et bah du coup, après vous m'avez vu, et je sais pas pourquoi je suis là. D'accord, bah allez, venez quoi du coup. Il est où, 97 est parti regarder. Quelque chose. Il est parti regarder, il avait des billets sur lui, il est parti voir à la machine. D'accord, d'accord. Mais il fait quoi le monsieur? Monsieur, revenez. Allez, monsieur, revenez là, s'il vous plaît. Allez, on est son casier, go. Allez, venez, on va faire une petite photo d'abord. D'accord. Ah, du dossier, c'est. Mais quoi dans objet du rapport? Pas tout ce qui est tous les faits qui sont reprochés. Donc si c'est un go fast, tu marques go fast. S'il y a un délit de fuite, tu marques délit de fuite. Si c'est un braquage, tu marques braquage et tout. Enfin tout ce qu'il y a. Les... Ouais, pas de soucis. Voilà, si c'est braquage plus délit de fuite. C'est braquage plus délit de fuite. Enfin il y a plein, plein de trucs. Bordel, j'ai le doigt tout noir. Ah ouais, c'est normal, c'est le... Madame 95, on prend au LSMS avec un 10-15. Voilà, c'est reçu. Eh bon, ça en met respect. Allez, c'est... J'ai l'habitude d'avoir le doigt tout noir. Bonne soirée, les gars. Du coup... Et après, on va où? C'est bon? Vous inquiétez pas, vous avez pas besoin d'aller en cellule, normalement. Dis-moi, 97, alors, du coup, ça donne quoi? Billets non conformes. Ah, c'est les billets non conformes. Oui. Alors attendez, je vais porter plainte contre les bureaux d'échange là. Ils sont tous non conformes. Tous. Arrêtez. Pardon. Il veut porter plainte, non? On va repartir. 56. Du coup, 07, tu partiras avec 97 dès qu'ils ont fini, comme ça 46 part avec son rookie. Ah. Très bien. Excuse-moi, 46. Ça me dit j'ai 19 et 88, 10, 41, tout ça. 57, dis-moi. Oui. C'est quoi là, tu pourrais 46. Que... T'as parti où du coup? J'arrive. Parle plus fort parce que la radio là.
Qu'est-ce qui existe que le monsieur là pour une détention de d'argent illégal? Ça veut dire ça. Après ça dépend des sommes, non? Il t'a dit quoi 07 le, l'avocat là, de Wish? Il trouvait ça con. Comme normalement, c'est d'après ce qu'il me disait, c'est pas un agent de police de trancher pour les visites procédures, c'est au procureur. Oui, mais sauf que, comme je dis, il faut qu'il reprenne sa définition, que c'est pas un vice de procédure. Attends, j'ai appelé le procureur, il répond pas, c'est pour ça que je lui dis de se rapprocher auprès du procureur. S'il veut, il portera plainte pour pour agression. Non, mais comme je l'ai dit, pour procureur, s'il n'y a pas de procureur, faut quand même trancher un moment, sinon l'enquête d'avance. Oui, c'est pour ça que je lui dis de se rapprocher auprès du procureur, après si ça lui plaît pas. Mais sauf qu'il faut qu'il reprenne la définition de vice de procédure. Non, c'est pour ça que j'ai pris aucun côté. Je m'en fous, c'est juste pour savoir ce qu'il dit. 48, non, cas, j'ai pas fait mes études, j'ai pas fait d'études de droit personnel. Oui, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis devant. Du coup, lieutenant, les médecins sont formels. Je viserai comme un plouc toute ma vie. Félicitations. Oui. Ah, 46, c'est pour l'amende de détention, normalement, c'est en fonction de l'argent qu'il a. Donc après, ça dépend combien il avait sur lui. Non, attends. Mais je crois que c'est à partir de 5000 clairement déposibles. Si je me trompe. Oui, je me trompe sur le regard des sols. Il avait combien? Il avait. Si je dis pas de conneries. Il faut que je redemande. Oh putain, les sols. Bon, moi je vais me préparer. Je me prépare la voiture alors. Prépare-toi, ouais. Donc il y a 1180. Arrêtez, ça veut dire que j'ai acheté mes trucs. Je vais préparer ma voiture moi. 1183 billets précisément. Ok, il prend 2500 et il reste 10 minutes en cellule. Ok, ça marche. Et bien évidemment, hein, l'argent. Ah non, bah l'argent il le reverra pas, non. Ouais. Du coup, 46, une fois que c'est fini, tu repars avec ton rookie. Ouais, 10-4. Et puis 80... Moi je libère mon dead mine dans 2 minutes. Et 97, il repartira avec 07. C'est encore vous la centrale, 117? Ouais. Mon dieu. Ouais. Mais c'est pas grave. Et bonne soirée. Ouais. Nous on reste ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et merde, ma voiture est partie. Un vrai avocat de merde, ça. Ouais. Toujours l'époque de Maître Tam, ça me manque vraiment. Connaissez au moins son boulot. Bah, pas trop, messieurs, dames. Comment ça, dame? 07, comment ça, dame? Quoi? Comment ça, messieurs, dames? Bah, je sais pas, messieurs. Bah, y'a pas de dame dans la voiture. Ouais. Ah, pardon, j'ai. Mais ok, tu vas être sportif à force de courir autour du poste. Hein. Et c'est moi, 77. Je vais s'occuper. 77, Ah, c'est 77. D'accord. C'est pas parce que vous c'est 07 qu'il faut donner tous les numéros. Pour ça plus séparé. Je crois que plus logique quand on est comme ça au poste, après on va dire, vous en faites pas, je vais appeler toujours 77. Allez, bonne soirée, messieurs. Après, il y a 6 Adam dehors, ça fout. Vice de procédure, MDR. Ah non, mais. Quelqu'un se fait taper en cellule, c'est une agression policière, il porte plainte pour agression et derrière, quoi. C'est ça. Surtout qu'en plus, les médecins, il n'y avait rien de grave. Oui, non. Et même pas de blessure réelle. Mange un truc. Il n'y a même pas de blessure réelle, donc qu'est-ce qu'il veut demander? Il est malade, lui. Ouais, en vice de procédure, c'est quoi? Les droits Miranda qui sont pas mis. Une vice de procédure, c'est un non-respect de la forme. Ouais. C'est un non-respect des formalités d'arrestation. Il n'y a pas eu de non-respect. Bah non, l'avocat est prévenu, les médecins ont été prévenus. Oui. T'as rien. Quoi. Voilà. Mais c'est pour ça. Moi, je lui ai dit, c'est ton vice de procédure, je lui invite à relire la définition même de vice de procédure. Tout simplement, ce qu'il a réclamé n'est pas recevable. J'ai appelé le procureur, il répond pas. J'ai tranché et je lui ai dit, si ça vous plaît pas, rapprochez-vous du bureau du procureur qui lui tranchera. Mais il fallait bien qu'il. Quelque chose, non? Ah bah, ouais. À un moment donné. Ça va. Vraiment, un vice de procédure, c'est quand toutes les étapes d'une procédure, tu vois, elles sont pas bien suivies. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
Oh bah non, tout était carré. 07, composé 07 à 97, 10-41, tout secteur. Adam 27, 10, 18. Je l'aime pas déjà, tout à l'heure il m'appelle. Adam 27, 10, 38. Quand on arrive au liste des si. Il m'appelle, il fait oui, ça fait 3 jours que j'ai demandé l'extrait d'un casier. Je vous ai envoyé un message sur l'intranet. Je fais ok, bah attendez, je vais regarder. Je vais bah. Alors déjà de une, ça fait pas 3 jours. Vous l'avez mis hier à minuit 4. Ah oui, bon, c'est pareil. Hier matin, quoi. Non. J'ai fait non, du coup, c'est pas pareil. Et même si ça a été, pas 3 jours, ça faisait que 2 jours. Donc, Oui, bah il a qu'à se déplacer au poste et le demander. Au pire des cas. Il a appelé une centrale qui a un appel d'urgence pour nous dire. Là, j'ai pas le casier de mon client. Ouais, ok. C'est vraiment urgent. Hein. Ah, c'est reçu. Bah ouais, c'est vraiment urgent. Ouais, c'est... Attends, et donc, ça arrête pas les interpelles là ce soir. C'est magnifique. Après, c'est que des petits trucs. Oui, moment, bon. Donc. Quand ils voient que ça s'interpelle sur les petits trucs, c'est qu'ils se disent qu'après, s'ils font les plus gros trucs, ça pue aussi. Quoi. Bah là, ce soir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 agents. Ah, c'est ça, il y a 6 Adam. On est 12. Ouais, je sais pas pourquoi, il y en a un qui a pas ouvert sa tablette. Ouais. Parce que là, j'ai 61 et 95 qui se sont trouvés de 46 et. Attends. Moi, j'ai sur la tablette, j'ai moi 78, 88, 07, 82, 61, 95, 19, 77, 46 et 97. Trop vite. Alors 61 est-ce qu'il est là? Ok, attends, on va faire comme ça. Attends, j'ai reçu un message, c'est quoi? Ah non, c'est juste avoir le nom et prénom de ma cliente s'il vous plaît. Mais putain, mais c'est un... il est il attend qu'elle sorte et il ferme sa gueule. Yeah, mais alors lui, il a même pas personne pris répond sur... Personne ne répond sur le SMS central s'il vous plaît. C'est une centrale et les speedy, c'est pas la messagerie de ta daronne. Bonjour, est-ce que je pourrais commander 3 McDo, merci. Non, mais ça y est, il veut le nom et le prénom de sa cliente, mais il avait qu'à faire son boulot correctement. Bah, ouais. Ou alors il attend sa sortie. Vise de procédure, hop. Ouais, mais voilà, ou alors il attend la sortie de sa cliente, ou il avait qu'à faire son boulot correctement à un moment donné. Centrale, c'est pas une messagerie. Ouais. Du coup. Lui, je vais pas l'aimer. Ouais. Du coup, du coup, tu me disais 61. Oui. 95. Oui. 19. Oui. 88. Oui. 07. Oui. 97. Oui. 92. Non. Ah bah voilà, c'est 92 qui avait. De 57 à 92. Même ça, j'arrive à bout en fait de ma patience. Faudra me rendre compte. 57 à 92. Je vais l'appeler. Tu m'entends toi, radio? Ouais, je t'entends. Ok. Je vais l'appeler. Mais 92, il est pas en service? Mais il est avec 27. Il est avec son. C'est le rookie 92, il est avec son ref. Il est avec 27. Non, c'est pas 4. Mais... Ah, mais ouais, il répond pas. C'est passé direct en messagerie, je pense que. Ok, bon, il est pardonné. Ok, parce qu'il y avait 82 aussi qui était avec 27. À la base, c'est son référent. Tu comprends pas 82 92? Ah, putain, mais oui, non, mais c'est moi, putain, 82, oui. Plus, 92, c'est ton rookie. Oui, bah oui, et puis il est pas là, 92. Et donc c'est 82. Du coup, j'ai fait deux calls radio comme un con. Code 4, retour en patrouille. J'ai fait deux calls radio comme un con, là, en fait. Ouais, tout à fait. Tu vas vraiment courir derrière la voiture, toi.
Ah mais bon, je suis fatigué, il me fatigue, et voilà, il a enlevé. Il manque quelqu'un sur le dispatch, déjà, c'est pas normal, enfin, sur la tablette. Bah non, pour moi, on est 11. Bah, c'est pas possible, il y a 6 Adam. T'es sûr? Bah oui. Il y a 46 qui est avec son rookie, 27 qui est avec son demande rookie. Un 10-43. Centrale demande un 10-43 toutes les unités. Comme ça, on va voir la composition de tout le monde. Madame 19, on est en train de mettre de l'essence. Mais la composition. Et la composition de 19T88. Donc attends, je vais vérifier. 19-88, c'est bon, je les ai. Et les. Madame 27, 10-41, Lagunas Boulevard. La composition, pour pitié. Et la compo. Adam 27, composé de 27 et 82. Ok, c'est bon. Ça fait 2. On a 4 qui dort. Hein. T'as 46 qui dort là avec son Adam? Bah ouais. 46 qui dort, 07 qui dort, 61 qui dort. Ouais, mais après 07 il est avec 46. Ouais. Donc non, 0... ensemble. Non, 07 il est 97. Ah. Et 46 il est avec son rookie. 98. Non, 78, putain. Ah oui. Et donc ouais. 61 et 95 qui répondent pas. Ouais. Pour ce qui est des autres unités, on peut avoir alors votre 10-43 s'il vous plaît. Parce que là, on a eu que 2 Adam sur 6 qui ont répondu. Je réponds pas, je crois que c'est l'avocat. Attends, je réponds. Los Santos Post Département, bonjour. Bonjour Martin, je vous téléphone. Oui. Avec ton poste, la personne avec eux, comment qu'on fait? De quoi? Pas répéter, je t'en entends très très mal. Allo, allo. Bah, accroche au pire. Pour la troisième fois, je peux avoir un 10-43 des 4 Adam qui n'ont pas répondu. Adam 46. Je peux avoir votre 10-43? 36, composé de 46 et 78 par la suite. Le centre post-boss département, bonjour. On a eu bien que le téléphone. Allô, allô. Oui, vous m'entendez? Merci. Eh ouais, que je vous entends quand je... C'est joueur, si vous, téléphone, bonjour. Oui. Adam 95, composé de 61 et 95. Mais que je vous appelle, mais je suis au commissariat, il n'y a personne à l'accueil, comment qu'on fait? Ah bah, je vous appeler un agent qui va venir. Ah bah, merci beaucoup, chef, merci beaucoup. On a écrit d'autres comme madame? J'ai fait 95, 46 qui n'ont pas répondu. On avait qui d'autre? 61, 95, 46 qui n'avait pas répondu. 07 aussi qui n'a pas répondu avec 97. Il avait qui? 97. Et Adam 97, composé de 97 et 07, je peux avoir votre 10-43? On ressort du pénis. Je suis obligé de faire comme ça en fait pour qu'ils répondent ou ça se passe comment? Adam 97, vous allez au poste et à l'accueil, il y a du monde. Si, mais il faut qu'on ait. On ouais, demande un 10-43 ouais. Toutes les unités, non, il faut qu'on dise leur matricule pour qu'ils réagissent. Ah ouais, non, mais c'est... C'était affreux. On l'a demandé 3 fois et personne réagit. Bon, par contre, ça nous dit toujours pas qui c'est qui nous manque. Bah non, du coup. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bref, il va falloir qu'on les réveille un peu. Hein. Bah, il y en a qui seraient pas en... Tout le monde sera en patrouille, ils seraient pas en procédure. J'aurais fait demander à tout le monde de rentrer. On les aurait attendus là-haut dans la salle de dispatch. Ils auraient fait deux fois le tour du Comico, ils seraient repartis en patrouille. T'étais pas là toi le soir où j'ai engueulé 17 et 99. Je suis passé très rapidement à côté du bureau mais
Ah, t'as échappé toi à ce moment-là. Mais j'ai pas. Ouais, parce que je suis passé, j'étais avec. Ah si, j'étais avec un rookie, donc j'étais en patrouille, je suis reparti assez. J'étais parti assez tôt, j'étais fatigué ce soir-là. Mais ouais, j'ai entendu que ça avait pleuré. Là. À un moment donné. Je suis gentil sauf quand on pousse à bout. 82 pour 27. Écoute, par pitié, dis-moi que c'est important pour la radio. Téléphone. C'est pas pour moi, ça paraît évident ce genre de truc, c'est au téléphone. Ouais, bah oui. Tac. J'ai vu que t'avais mis. Aux agents, comme qu'on leur avait fait la visite du poste sur le document. Ouais. Parce que ce matin, je me suis occupé de, du coup de mettre pour les arrestations et tout. Okay. Vu que tu avais déjà fait. J'avais fait en mode. Pendant qu'on était encore, avant que je reprenne la centrale et que je reparte en patrouille, je m'étais en train de m'occuper de tout ce qui était carnet. J'avais fait tous les carnets, j'avais fait les leurs cartes sur le dispatch. Donc il y a à faire pour gagner du temps. Ouais, j'avais vu ça ce matin. Attends, je regarde, c'est où Bon, ça doit être l'hôpital. Hôpital, ouais. RS pour le code 99, c'est directement à l'hôpital. C'est bien pris. Tu vois, ça c'est la même chose. Juste s'ils acceptent, ils regardent pas c'est où. Ils voyaient un truc, boum. J'ai enregistré le numéro de Wendy parce qu'elle m'appelle, je crois que je l'enregistre jamais son numéro. C'est une dinguerie. Pourquoi c'est 74 Attends, je vais te dire ça. Je crois. Hein. Ouais, c'est ça, 74-94. Ouais, 10-19 de tout le monde, mais vu qu'il y en a, ils sont en procédure et compagnie, on va pas les déranger. Comme là, on sait qui est en patrouille où, c'est juste qu'on demander si tout va bien par rapport au code 99. C'est juste qu'en fait, là, on sait, il manque un agent qui a pas dû ouvrir sa tablette. Ouais, j'appelais juste pour savoir si tout allait bien, parce qu'on a reçu un... Allô, tu m'entends? Ouais, je t'appelais juste pour savoir si tout allait bien, parce qu'on a reçu un message d'alerte. Ah, t'es plus en service? En fait, t'es feignante, en fait. T'es une feignante, hein. Je suis là tous les soirs de 22h jusqu'à 3h du matin. La preuve, hier, j'ai pris mon service juste pour vous. Juste pour nous, oh là là là. Juste pour nous, oh, quelle chance on a. Avec votre truc du SWAT. On est privilégiés, oh ya ya. Votre truc du SWAT, là, hier, là. Le truc de la voiture. Du SWAT, je vois pas. Non, je vois pas. Bon, bah, tant pis. Non, je sais pas. Et tu te reposes là, c'est ça? Tu fais la fête? Non, je me balade en ville. Je me change les idées. Ok, hein. Et surtout, alcool au volant. Hein. Très important. Non, bon, pas d'alcool. Ou alors vraiment très peu. Donc, ça risque pas trop. C'est bizarre parce que hier, la vodka. Ouais, hier, c'est vrai, la vodka. Hier, t'en as dit. Ouais, je t'entends plus. Allô? Ouais. Ouais, je disais, c'est bizarre parce que la vodka hier, t'en as bien bu quand même. Oui, mais je savais que j'allais pas conduire, ou alors très peu. Mais non, mais la règle d'or au permis, c'est il faut être alcoolisé au volant. Bon, dis pas que tu savais. C'est pas toi qui l'as inventé celle-ci. Non, c'est vraiment. Moi, pour passer mon permis, pour passer mon permis LSPD. Je vais finir par y hein. croire. Voilà. Je dis, je vais finir par y croire. Bah ouais, il faut. Il faut. Et du coup, non, je sais pas. T'appelles ta chère et tendre Isadora. Moi, ça m'a l'air chère et tendre. La comment ça, ma chère étendre Non, mais c'est une blague. Ah ouais, parce que... Non, rien, je vais rien dire, parce qu'on va dire que je suis encore méchant. Moi, je vais rien dire, hein, c'était juste une blague. Oui, non, mais... Ok. Autre chose Bon, bah, vas-y, hein, bonne soirée, profite. Hein.
Ça marche, toi aussi, bon courage. Allez, des bisous. Bye bye. Et 77 te fait un bisou sur la fesse gauche. Bye. C'est quand t'es au resto ou un truc comme ça. Bah, j'ai demandé au lieutenant tout à l'heure, il m'a dit c'est vraiment quand tu peux pas repartir. Ah là là. Exactement ce qu'on est en train de dire. C'est juste le collègue à la radio qui a dit un 10-25. M46 composé de 46 et 78, départ en 10-41 tout secteur. Ouais, c'est reçu. Je vous ai appelé Madame 07, retour en 10-41 tout secteur. Ah ouais, c'est, ouais, c'est très rare. Parce que d'habitude, vous êtes en chemise. Ouais, ou alors elle m'a tenu vraiment. Je pars à la guerre. Oui, oui, voilà, bon, on a tous les deux une tenue pour partir à la guerre, mais ça c'est autre chose. Ouais, ou alors c'est en chemise, c'est vrai que c'est rare, j'ai eu. C'est vrai, c'est vrai. Qui... 77, ça a été un nouvel pneu, c'est bon. C'est bon, PK. Allez-y, vous pouvez y aller. Ouais, allez, okay. Bonne patrouille. Hein. Patrouille. Je vais leur faire les pneus, tu vois, je vais leur rayer la portière. Moi je vais rayer ton crâne. Hein. Tu fais ça, je raye ton crâne. Tu fais ça, je raye ton crâne jusqu'à qu'il soit tout rouge. J'ai le main sur le frein à main là, vous pouvez plus reculer. Ah bah je l'ai plus. Vas-y, vas-y 27. Et voilà. De Adam 19, il y a des gens qui ont essayé de nous agresser au pénis. Vas-y, on va y aller. 10-4, bien pris pour la dame Z. Dame 46, on se rend sur place. Mais si. Dame 95, on pourrait avoir une description des personnes qui ont essayé de vous agresser. Le but d'une centrale, c'est que c'est la centrale qui dispatch, non noires, qui c'est ça, c'est ça. Du véhicule et qui était en compagnie de. Il fallait faire le call si Madame tu veux, c'est pas la centrale. Inaya Carter. Attends, il leur a appelé qu'il y a une centrale et que c'est pas eux qui dispatch. Bah là, ils ont juste demandé la formation de. L'info de. Des vêtements, c'est tout. De la dame 19, on est suivi par 2-4-4, un Rebla GTS blanc et un balleur gris. 4-10-20. Place des cubes. Ouais, place des cubes. À dame 46, ouais. Vous rendez sur place. Vas-y, on y va. Dame 46 est en cours. À dame 95, on sort de notre 10-15 et on arrive aussi. Négatif, continue la patrouille. On était au poste central. Ouais, c'est bien, vous prenez une patrouille classique. Ok, 10-4. Juste devant le poste. 46 en demande de 10-20, s'il vous plaît, continue. C'est compliqué de faire le 10-20 ? Bah oui, impression. Là. Non ? C'est pas eux là ? Si, c'est ça. Hein. C'est 46 ça dans l'Explorer ? Non mais. Vous m'expliquez là ? Pourquoi y a toute la cavalerie là ? Eh, ça dégage. Allez. Cassez-vous tous en patrouille à part 46. Repartez là-haut. Et ça, vous voulez pas appeler du renfort ? Nous c'est 46 ans, c'est nous qui étions dans cette place. Les autres, je sais pas, oui, non, mais les autres, je sais pas ce qu'ils sont foutus. Pourquoi ils sont venus là. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là, il y a votre collègue là, il était sur la voie de gauche et il a tourné à droite. 88, on s'est barré, alors que j'étais à droite. Le pire, c'est qu'il a frappé sa soeur. 46, vous me contrôlez les identités des deux personnes. Oui, il y a trois unités. Comment ça, il y avait tout le monde qui est venu là. Je sais pas, je sais pas. Peut-être un 19. 19 général.
pour toutes les unités. Ah merde, rendez-moi ça s'il vous plaît. Désolé. Vous pouvez répéter, on n'a pas entendu 57. 10-19 général pour tout le monde. Non. L'autre voiture. Ah, c'était pas dans la voiture. On va juste attendre la fin. Ouais. De Dame 19, nous on a été percuté assez violemment. On se rend à l'hôpital. Il va où 88 là? Ouais. Ouais, dis-moi. Ouais. Donc je vais lui dire. Ouais, j'étais pas dans la voiture. Bah je peux lui dire. Je vais dire de passer. Bah oui. Bah rien, il était sur la voie de gauche et il a tourné à droite et bah, ouais, bien sûr, bah je vais lui dire. J'étais sur la voie de droite. Ouais. Vous allez tous en salle de dispatch. Oui. 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 Vous calmez vous derrière. Un de vos collègues 88 là qui se trouve là. Il est là là. Il veut le 88. Je sais pas. Non, il est reparti en voiture. Non même pas. Bon bah ok. Je veux savoir pourquoi il a frappé ma soeur. Non, monsieur, il a expliqué clairement que notre collègue 88 avait eu un spasme musculaire, ce qui a causé la... Ouais, bah je risque d'en avoir aussi, moi, des spasmes musculaires. Pas besoin de menacer, hein, monsieur, vous savez. Ouais, mais je menace pas, je promets. Ça peut être pris comme une menace, ce que vous dites. Vraiment. Bah, prenez ça comme vous voulez, je m'en fous. Et si madame a bien déposé plainte et que l'affaire est avérée que 88 a effectivement frappé la dame. Bah non, parce que 88 il a pas voulu lui demander. Qui est juste là peut vous affirmer qu'on vous a demandé de déposer plainte. Après c'est une question de logique, hein. On va pas vous dire déposer plainte, hein, ça vous faites pas. Si ça lui déplaisait aussi, ah bah ouais, quand c'est contre l'un des vôtres. Moi je sais pas, vous dites que vous allez pas demander à déposer plainte et monsieur dit si. Qu'il lui a dit. J'ai même dit à son avocat en présence de votre sœur que s'il souhaitait, il pouvait se rapprocher du bureau du procureur. Ouais, bah vous inquiétez pas. Étant donné pas, que c'est le bureau du procureur qui va gérer ça. Ouais, bah il va bien le gérer, vous inquiétez pas. Je vais tous vous mettre au chômage, moi, vous allez voir. On vous attend, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas la peine d'hausser le ton ou quoi, on est tous. Ah, mais j'ose pas le ton, je suis très calme. Bien, bah, restez mais calme. Pourquoi il fait pas ça avec un vrai mal, là, au lieu de frapper ma sœur? Sur ce, monsieur. Quand il veut, je lui casse la bouche, moi. Monsieur, sur ce, le contrôle est fini. Je vous invite à remonter dans votre véhicule et à reprendre le cours de votre vie. Ouais, bah, je vais continuer. Parfait. Ma traque de 88. Bon, monsieur. C'est ça, voilà. Au revoir, messieurs. Passez une bonne soirée. Également, monsieur. Essayez de frapper le moins de personnes pendant votre service. Ça changera. Mon 19 également. Affirmative 19. Madame 46, 19. Je ne supporte plus les gens qui font les grosses couilles. C'est un truc que j'arrive plus à supporter. Il y a quelques années, je remonte en arrière. Il y a 3 ans, 2 ans, tout ça, j'arrivais à supporter. Mais maintenant, j'arrive plus. J'ai envie de les prendre par la tête, là, les secouer. Voilà. Tu sais à qui tu parles en fait, ou ça se passe comment? Dans quel monde des gens vont menacer un agent des forces là, de l'ordre? On aurait tout le droit de l'embarquer, de lui faire passer la nuit en maison, oui. La menace d'un agent de police là. Dans quel monde? Ah, je sais pas. Sérieusement, à un moment donné. Là par contre, tout le monde qui a débarqué, hein. Et là, la batterie là. Ouais, bah, la batterie, ouais. Carrément. Ouais, alors là, souci de batterie, je crois. Un souci de contact. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ils vont l'emmener au Bénise, hein.
C'est vraiment bizarre, hein. il traque un agent pour un coup de poing. Ouais, mais il traque un agent, mais il a qu'à traquer l'agent. La prochaine fois qu'on l'arrêtera, ce sera pas pour la même chose. Il va rien traquer du tout. Rien traquer. Et c'est aberrant, ces gens-là. Mais ce que je disais, 77, dans quel monde déjà on menace ces gens? Mais c'est ça le truc que je comprendrais jamais. Avant, comme je disais, je supportais les gens qui faisaient les grosses couilles. Maintenant, ça me sort direct. Bah, à la limite, c'est supportable quand il y a un truc. Là, il y a vraiment rien. Mais là, c'est un mongol. Là, c'est juste pour dire qu'il veut faire un truc, il se fait chier ce soir. 77 vient à côté de moi. Ouais. Je mets devant les bons élèves 46. Ouf. Allez hop, toi en ITT. Ah, mettez-vous par Adam, on va simplifier le truc. Mettez-vous l'étape par Adam. Pour que je vois qui est avec qui. Ensuite, on est en salle de dispatch, du coup, les gilets, vous me les retirez. Et vous les mettez sur vos chaises là, pour ceux qui les ont pas mis dans le coffre. Repos 07, 97. Hein. Repos. 07, voilà. Il manque une Adam là. Elle est pas à l'hôpital? Si, je crois. Ah, bah, ouais. Pourquoi ils sont à l'hôpital? Bah, c'est eux qui se sont fait rentrer dedans. Ils se sont fait percuter derrière par le 4x4. 88 et 19. C'est ça. C'est que ça. Ok, bon, déjà, je vais commencer par un truc avant que j'oublie. 27, tu devais aller passer ta vérif chez les médecins, t'y es pas allé. Donc, dès qu'on a fini, t'y vas. Et s'il te valide pas, tu reposes ta plaque. S'il valide, tu peux continuer ta patrouille. Okay. Ensuite, rappelez-moi, il y avait une centrale ou pas ce soir? Afi. Ok. Quand il y a une centrale, c'est la centrale qui dispatche les unités ou c'est les unités qui se dispatchent? Nous sommes tous au département de Montjean. Bonsoir, c'est Madame Palmer du Bénise. Oui. Parce que hier, il y a un de vos agents qui a été obligé de mettre ma dépanneuse en fourrière. Donc sauf qu'elle n'est pas en fourrière. Est-ce qu'elle ne serait pas en fourrière chez vous? On est d'accord. Je vais regarder. Je vais m'expliquer pourquoi il y a plusieurs unités ce soir qui disent: ah bah moi je vais y aller. Je vais la centrale vous le dise. Deuxièmement, du tout, vous savez, c'est les dépanneuses du Béni, je les connais pas par cœur. Deux unités sur le problème avec. C'est quoi comme véhicule? Vous avez dire pourquoi il y en a cinq qui sont arrivés? Alors attendez, parce que là je suis en train de recourir pour retourner au Béni. Bah je rappelle la centrale dès que je suis au Béni. Ouais, il y a pas de problème. Du PDP quand ils se sont fait rentrer dedans. Ouais, mais pourquoi vous êtes arrêté devant? Oui, mais vous. Bah 499. Ouais, mais vous avez entendu la radio? Bah oui, on a entendu la radio, voilà. Mais je pense que nos vies valent mieux que... Il y avait deux unités dessus, on a dit deux unités, code 99 ou non, on est d'accord. Il a quand même dit qu'il était en train de se faire soulever. Non, il a jamais dit ça, il a juste dit qu'il était en train de se faire suivre. On a désigné deux Adam, il y a les dessus, point, c'est pas tout le monde qui y va. C'est clair? Bah, c'est clair pour moi, mais je pense que l'avis de mes collègues... L'avis de vos collègues, vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de problème. Vous étiez juste devant, comme vous l'avez dit. Non, comme je vous ai dit, on venait de sortir. On venait de sortir, vous étiez en face. Donc vous voyez comme quoi il y avait déjà deux unités. Donc ça fait six personnes. Donc un civil qui était au niveau de la fenêtre du côté conducteur. Non, c'était moi. Pas quand on est arrivé. Si. Vous aviez un cuir SOA. Il n'y avait pas d'SOA sur place. Ah bah pourtant, il y avait quelqu'un avec un cuir SOA juste au moment où on est arrivé. Bref, d'accord. Et bah même s'il y a un cuir SOA... Si on désigne deux unités, c'est deux unités. C'est pas 5, c'est pas 4, c'est pas 6, c'est pas 3. D'accord? Vous pouvez rester aux abords, mais pas venir sur l'interpellation. Et s'il y a besoin de vous, on vous le dira. Là, il y a 5 véhicules qui sont arrivés, alors qu'on en a désigné que 2. Pour notre part, Adam 27, nous on était juste de passage ici. On a juste ralenti pour voir si tout se passait bien, mais c'est tout. On a continué. Pour information, moi pour mon Adam, je lui ai certifié qu'on n'était pas appelé sur les lieux et patrouiller là, préféré y aller. C'était qui avec vous? 07. Négatif, et du coup 07? Négatif, on était à côté, on était, même pour vous dire, on était à la FICA de Place des Cubes. Et pourquoi vous êtes venu? J'ai juste mis les gyros pour arriver, j'ai vu qu'il y avait tout le monde, donc on est reparti. Et est-ce qu'on vous a dit d'y aller? Négatif. Alors pourquoi vous y êtes allé? Comme 95, j'estime que la vie des collègues est en danger, étant donné que juste avant... qu'il annonce qu'il se fasse poursuivre, des personnes au Bénise m'ont annoncé qu'ils étaient à la recherche de 88, étant donné qu'ils avaient frappé sa petite cousine et qu'ils ne souhaitaient pas porter plainte au commissariat et régler ça par eux-mêmes.
Mais je crois que quand vous êtes arrivé, il y avait déjà deux unités 07. C'est pour ça que nous avons... Ouais. Bah pourquoi vous êtes quand même venu? Nous étions toujours à côté. Ok, donc vous désobéissez à un ordre direct de la centrale. Oui ou non? Sur ce point-là, oui. Ok, c'est normal? Voilà. Donc quand la centrale donne un ordre, que ça vous plaise ou non, vous le respectez. Si la centrale a merdé suite à cet ordre, il payera les conséquences. Et si c'est des conséquences graves par rapport à ses décisions, les sanctions derrière, ils seront aussi. C'est le but de la centrale. Si la centrale me donne un ordre, même si c'est un officier 3, la centrale m'a donné un ordre. Elle est prioritaire sur moi. Pour tout ce qui est externe. Interne, elle n'a rien à me dire. Tout ce qui est externe, elle a à me dire. C'est clair ? Donc elle a désigné la dame 46 et la dame 57. Et bah c'est la dame 46 et la dame 57 qui s'y rend. Ok ? C'est bien pris, lieutenant. Merci. Quand vous voyez des alertes après, la centrale va désigner une dame pour s'y rendre. Si, comme certains ont fait en début de soirée, étaient vraiment proches, dire qu'ils sont proches, mais pas se désigner à y aller. Mais faire comme ils ont, vous avez fait au début de la soirée, qui était bien, c'est de proposer parce que vous étiez proches. Mais il n'y a pas d'autodésignation. C'est le but de la centrale, de désigner les patrouilleurs qui vont aller sur telle ou telle intervention. Ok ? Parce qu'il y a des interventions où, en fonction de certaines divisions, ils sont prioritaires. Comme par exemple les ventes de drogue, et bah la DB va être prioritaire dessus. Donc ce soir, ça aurait été la dame 77 ou la dame 27. C'est bien prêt pour tout le monde ? Parfait. Du coup, là, c'est un simple rappel parce qu'il n'y a pas eu de problème avec ce qui s'est passé avec le contrôle. D'ailleurs, 88 et 19, vous allez rester avec moi après. Donc, c'est un simple rappel, mais je ne veux plus voir ça. Là, on a eu 5 véhicules qui sont arrivés sur 1 ray blanc. Pas fou. On est en DEFCON 4, on n'est pas en DEFCON 3 ni 2. Surtout que là, il les poursuivait simplement. LSMS, bonsoir. Est-ce que un certain 27 est en service ce soir? Oui, affirmatif, on va lui signaler. On est en dispatch pour ça. On est en train de faire un débriefing de ce qui vient de se passer. Il part directement à LSMS par la suite. Il est en service ou hors service? Affirmatif, il est en service. Et il n'a pas le droit. D'accord. De toute façon, donc, il arrive d'ici 5 minutes au LSMS. Ouais, il avait quand même des fils, il avait été blessé, donc on n'a pas eu de check-up, vous voyez. Donc ce serait bien qu'il vienne rapidement. Oui, c'est bien pris. Bah, il est là d'ici 5-10 minutes, là, le temps qu'on finisse notre débriefing. Merci. Merci, merci. Oui, monsieur le gouverneur. A été interpellé donc pour un braquage ATM. Mes agents l'ont arrêté sans problème, machin. Mais j'ai un de mes agents qui a glissé en voulant se rattraper. Bah, il a mis un petit coup à la personne qui a été interpellée. On a appelé les médecins sont venus. Il n'y avait aucune blessure marquante ou autre suite au mini coup que mon agent a mis. Voilà, son avocat est venu, il a demandé un vice de procédure. Moi, je lui ai dit, du coup, le vice de procédure, non, parce que ce n'est pas un vice de procédure. Madame, je lui ai dit comme quoi il n'y avait pas de vice de procédure, parce que c'est pas, ça peut être une bavure, mais pas un vice de procédure. Je lui ai dit que du coup, sa cliente, étant donné que j'essaie de vous appeler, vous n'avez pas répondu, sa cliente allait écoper de l'amende. Et que s'il s'opposait à ça, il se rapprochait du coup de votre bureau pour faire opposition à ça, et que c'est vous qui allez juger que c'est oui ou non, et que l'amende soit retirée ou non. Ah là là. Ouais, sauf que, à proprement parler, il n'y a pas de bavure policière. Or, parce qu'il a simplement glissé, il s'est rattrapé sur elle. Effectivement, ça a mis un petit coup. Elle a demandé, je crois, l'agent avec sa bodycam. Donc, au pire, hein, si porte plainte, la bodycam fera
elle fera le jugement entre guillemets. Les médecins sont venus, on a appelé, ils ont appelé les médecins n'ont rien remarqué de blessure ou de bleu ou autre. Donc voilà. Mais vu qu'il réclamait un vice de procédure et non une bavure, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de vice de procédure, donc sa demande n'était pas recevable et s'il était pas en temps, il se rapprochait de votre bureau. Voilà. Comme ça, bah, vous êtes au courant. Non, c'est la sœur de comment il s'appelle ? Non, parce que là, son frère est venu menacer mon agent parce qu'il lui a mis un petit coup, donc il veut le trouver, il veut s'en occuper lui-même. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Parfait. Merci, monsieur le gouverneur. Enfin, un substitut du procureur. Au revoir. Ok, 88-19. Surtout vous, 88. Du coup, les personnes qui vont suivre, bah, ils vous recherchaient, vous, par rapport à la sœur, hein, à la femme, à Madame Carter, que vous avez mis un coup. En fait, on peut expliquer la situation, en gros. Madame 27, un rendez-vous sur le dernier appel. Adam 27, je dis 5, on peut pas en parler. On a eu une autre femme qui est venue nous parler. Vous êtes 80, cherchant 80. C'est reçu. 88. Adam 07, rendez-vous sur le dernier appel. Du coup, il a dit oui, c'est bien, moi, 88. Il y a un problème. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème et tout. Avant de partir, il a essayé de nous couper la route déjà, lui, à pied. Mm-hmm. Il a essayé de frapper la voiture. Bon, après, il a frappé sa sœur, du coup. C'est pris pour Adam 07. Ils ont essayé de nous bloquer avec le 4x4. Parce qu'il y avait le Rebla et un baleur. Ils ont essayé de nous bloquer. Mm-hmm. Donc nous, on s'est cassé, on a fait le call. Et quand on a entendu du coup qu'il y avait 46 qui allait venir, du coup, nous, on a fait demi-tour pour intervenir avec lui. Et on les a recroisés sur la route, ils ont commencé à nous suivre. Ils étaient Rebla et un baleur. Et le... ah, c'est bien pris pour répéter le numéro de la dame. Adam 61. Ah, c'est reçu. Et le baleur s'est remis devant. Et en fait, c'est quand les autres unités sont commencées à arriver qu'ils sont cassés, je crois, le baleur, si je me trompe pas, carrément. Parce qu'il y a un mec qui est sorti du bowler qui a commencé à mal nous parler. Les cheveux longs ? Des dreads cheveux longs ? Non, c'est pas lui qui est parti. Ah. Parce que lui, il était dans le Rebla. Ouais, c'est ça, là. Donc, 78. Ah, ok. Ok. Donc là, le mec aux cheveux longs. Ah, c'est qui a contrôlé son identité à lui ? C'est 46. C'est 46. Ouais. On va redemander, mais je sais plus son nom à lui. Bref. Donc il vous cherche, 88, hein. Pour faire payer le coût à sa soeur. Est-ce que votre bodycam est active ou pas ? On pourra demander avec les agents qui vous étiez. Il y en avait un qui avait sa bodycam. Pas moi pour le coup, peut-être 78, on va voir. Ouais, alors l'interpellation. Vous, non, vous l'aviez pas non, aussi. Non. Ok, ah, moi, je crois qu'il est pour moi. Donc voilà. Ce soir, si. Là, deux fois. Ce soir, s'il y a un véhicule qui vous suit, vous faites direct un code 99 et vous faites des 10, 20 constants, d'accord. Et on enverra deux unités. Ok. Ok, ok. À n'importe quel doute, un véhicule qui vous a suivi depuis 2-3 virages. Vous faites le call direct, ok ? Il n'y a pas de souci, on va voilà. Faire comme ça. Parfait. Et l'avocat a porté plainte contre vous, 88. Oh là là. Sérieusement, ils sont vraiment... Oui, bon. Non, mais je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Mais l'avocat, je vais faire bouffer déjà sa chemise. Et son drapeau américain, il n'a pas à le porter. 288, hein. Il porte un drapeau qui a un truc politique. À un moment donné. Car mon gouverneur qui a appelé pour ça. Non, mais c'est moi qui avais appelé le. C'est pas le gouverneur, okay. c'est. Ouais, c'est. Ah, ok. Mais c'est moi qui l'avais appelé parce que bah, quand l'avocat avait demandé. Du coup, il m'a rappelé parce que l'avocat lui a envoyé un mail, ça l'a réveillé. Et là, il m'a rappelé pour savoir. Ok. Il a porté plainte et puis il a mal pris le fait que je lui ai dit d'apprendre son métier et la définition de vice de procédure. Mais ça, je m'en fous, c'est réel. Il faut qu'il apprenne la définition avant. Ouais, il faut apprendre la définition avant de vouloir l'utiliser. Même si vous avez mis un coup, ça s'appelle pas un vice de procédure. Et puis surtout qu'elle était sonique, il y a pas de traces énormes. Il y aurait eu des traces de coups avec beaucoup de bleu et tout ça. On aurait pu. Non, mais là, il y a même pas de blessure remarquante. Les médecins n'ont rien signalé. Donc voilà. Et puis un vice de procédure, c'est seulement un manquement dans la
dans la procédure d'arrestation. C'est un oubli durant la procédure d'arrestation. C'est ça, comme un oubli de fouille, un oubli de droit. Voilà. Exactement, ou alors des droits pas lus complètement. Là, c'est éventuellement une bavure, mais qui peut même pas s'avérer une bavure parce que en soi, elle a rien. Les médecins ont été appelés, vous avez simplement glissé, vous allez vous rattraper et ça lui a mis un petit coup. À un moment donné. C'est ce que c'est, mais bon, apparemment. C'est ce qui se fait chier, l'avocat, je pense. C'est pas que l'avocat qui se fait chier, je pense. Bah après, c'est son droit. De demander un avocat. Plus là-dessus, c'est son droit. Bon, c'est un avocat de merde, donc. Ok, bon, on va faire attention, de toute façon, on va pas trop rien. Ouais, mais je pense que lui, il a eu son diplôme du barreau dans une boîte de céréales un matin. Oh, à l'époque, moi j'avais des jeux vidéo dedans. Ils font ça souvent. T'as vu quoi, toi ? À l'époque, j'avais des DVD hein, de jeux vidéo dans les boîtes de céréales. Ah ouais ? Bah ouais. On va faire attention, du coup, on va pas trop rien. Voilà, allez. Parfait. J'ai cru que j'allais devoir aussi engueuler 95 ou 94. Non, 95. Pourquoi ? Bah, t'as pas entendu ce qu'il a dit ? Il dit ouais, mais vu qu'il y a eu un code 99, je m'en fous de ce qu'a dit la centrale. Ouais. Comment ça ? Tu passes devant, tu vois qu'il se passe rien. Plus de recettes pareil. Oui. 46, 10, 25 de liste d'ici. Mais 07, c'est souvent qu'il essaye de. Il veut faire genre qu'il sait des trucs alors qu'il dit de la merde. Comme tout à l'heure, tu sais, les billets, il a dit ouais, c'est qu'à partir de 5000, machin, par unité. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tais-toi. Il est pareil, 07, il saoule 28 avec la TD ou. L'autre jour, je crois, il a voulu apprendre 88, un truc à 28. Bonjour à tous. J'ai eu un signalement d'un citoyen qui disait comme quoi il y avait plein de gens masqués à la fête foraine qui étaient en quad et en moto. Vas-y. C'est reçu. Adam 46 ouais. Et Adam 19, vous rendez Adam sur place. Adam 61, 50 du 148. Vas-y, dis de pas couper parce que je vais moi, coupez pas la centrale quand on parle, merci. Du coup, Adam 46 et Adam 19, vous rendez au niveau de la fête foraine. Genre, si on dit 50, c'est prioritaire. Vous pouvez arrêter avec le coup, s'il vous plaît. Ouais, Adam 46, rendez-vous à la fête foraine pour individu masqué ou vous y allez avec la dame 19. Et l'autre, pour lui, annoncer un 10-50, c'est un call prioritaire urgent. Pour pouvoir couper. Ouais. Putain, je suis sur la neige en moto. C'est... Les gars, ça roule avec ça sur la route. Il n'y a rien sur le code pénal donc il a. Mais il est pas complet le code pénal hein. Ah ouais, dans ce là. Il manque plein de choses. Non. Pour dispatch. Sur écoute. 27 après un 10-10. Je me retrouve tout seul à l'hôpital et j'ai pas accès à sa voiture. Là, on arrive. Comment ça il a pris un 10-10 ? Je sais pas. Les médecins peut-être ? Ouais mais il peut le ramener au poste quand même. C'est qui est avec 27 ? Bah 27 et 82, non, Rocky. Non, je vais l'appeler. Mais c'est bizarre que 82 puisse pas ouvrir la voiture. Bah s'il l'a fermé. Mais non mais il a 27, il a peut-être eu un code 404, non ? Bah sauf si les médecins lui ont dit vous restez à l'hôpital. Mais ce serait étrange. Je sais pas. Ouais. Bon on va aller voir ce qui se passe et puis. Moi ce soir il y a des trucs que je comprends pas. Ouais hein. Je sais pas. Adam 19 à la centrale, on a été vérifié à la fête foraine, il n'y a plus rien mais on a croisé des véhicules verts. Quand on sortait, et le citoyen qui nous a contacté n'est plus sur les lieux, il y a son véhicule sur les lieux. D'ailleurs, le quad hein, comme le signalement, vert et tout, il était devant nous. Ouais, c'est bien pris, écoutez, retourner en patrouille. Hein. On va aller voir. 4, bien fait. Dame 46, du coup.
41. Du coup, comment ça, il a pris un 10-10? Gros mal de tête hôpital. Ah, mais il va revenir. Non, non, il peut pas revenir pour le moment. La personne qui nous a contacté, ce serait du coup Wendy Baker. Wendy Baker. Bah, j'ai pas accès. Pourquoi j'ai pas accès au véhicule en fait? Ouais, parce qu'il l'a fermé lui. Oh. Putain. Attendez, je vais essayer d'appeler Wendy. Pour voir. Ouais, c'est bien pris, on se renseigne. Ah, bah après, oui, je l'ai vu avoir le mal de tête là quand on est rentré. Et puis, envoyé un petit mail, il a vraiment trop de mal. Ah, Wendy, elle a raccroché. Ah, merde. Ok, on a potentiellement une prise d'otage sur Madame Baker. Je viens d'essayer de l'appeler, elle s'est raccroché instant. La, l'unité qui est passée à côté de nous, vous pouvez revenir au niveau de, d'Arcadius, s'il vous plaît. Mais Wendy, c'était pas la doc? Elle était là tout à l'heure. Oui, non, mais elle était hors service. Salut, taxi collègue. Et rebonsoir. Et rebonsoir. C'était juste pour vous signaler, parce que normalement, vous aviez mon agent Gauthier Cheverry qui devait passer. Du coup, là, ce soir, il a retourné chez lui. Il a un gros mal de tête, donc il pourra pas passer ce soir. Prévenu, ah, ok. Ouais, parfait. Bon, bah voilà. Par contre, est-ce que l'un de vous peut essayer d'appeler Madame Baker, s'il vous plaît? Parce qu'elle a fait un appel central par rapport à des gens masqués. Et puis, elle était plus sur les lieux. Si quelqu'un peut essayer de l'appeler, parce que je viens d'essayer de l'appeler. Je lui ai envoyé un message, elle ne me répond pas parce que je lui ai parlé, moi. Parce que je viens d'essayer de l'appeler, moi, elle a raccroché instant. Elle a raccroché. Ok, parfait. Donc, je confirme une potentielle prise d'otage sur Madame Wendy Baker, EMS blonde. Donc, tous les agents code 6 recherche. 57, est-ce que vous pouvez m'appeler TPH, s'il vous plaît? Matricule 88. Madame 46, 10, 25, délise ici. Bah, j'ai pas son numéro. Bah, il le donne à personne. Quelqu'un, son numéro 88? Non, j'ai que des rookies. T'as son numéro, toi, ou pas? Non, je l'ai pas, non. Je suis regardé. Si, il est sur LSPD. 95, 14, pour 88, appelez-moi. J'ai pas votre numéro. 95, 14, le mien. Vous avez dit 94 28 votre numéro, lieutenant? Non, 95 14. 95 pour 57, on va avoir besoin de vous. Attendez. PDP. C'est pourquoi? Attendez. On a deux personnes qui sont en possession de pistolets MK2 après une course poursuite. Attendez, on parle radio 88. Vous pouvez réitérer, s'il vous plaît, ça me parle des téléphones. Je disais qu'on a arrêté deux suspects avec des pistolets MK2, donc si vous voulez procéder à une interrogation. Une interrogation? Je vais passer une interrogation surprise. Un interrogatoire. Un interrogatoire, excusez-moi. Une discote. Oui, 88, je vous écoute. Ouais. Ok, bah allez tourner là-bas et allez voir. Et tenez-nous au courant. C'est tout. Ok, parfait, merci. Oh, le gouverneur qui vient d'essayer de m'appeler aussi. Monsieur le gouverneur, vous essayez de m'appeler? Allô? Ouais, vous essayez de m'appeler? Alors, ce que j'ai dit à l'avocat, les rapports d'arrestation sont faits sur des délits majeurs et des crimes. Je lui ai dit pourtant, je lui ai dit que pour tout ce qui est délit mineur ou contravention, c'est un rapport d'arrestation verbal fait par mes agents. Voilà. Parce que je vais pas demander à mes agents d'écrire à chaque fois des rapports qui prennent une plombe pour une petite ATM où ils ont récupéré 500$, quoi. Je pense que ça peut se comprendre. Oui, bien sûr. Oui, bah, je lui ai dit, mais voilà. Mais si l'avocat, je lui ai dit...
passer, et puis on verra, mais... Voilà. Pas de soucis, monsieur le gouverneur. Merci de même. Je vais lui faire... Oh putain. Bonsoir. C'est où? Oui. Non. Là, c'est Jake. Oui. C'est moi. Si, allez, vous irez les speedy. Madame 46, fin du 10-20. Mais, ouais, elle va être fourrière à l'Espidi, mais c'est vrai que ça va être un enfer pour la sortir. 4, de Adam 19 à Centrale, les véhicules qu'on a croisés près de la fête foraine, on les a devant nous, est-ce qu'on fait un contrôle? Ah, bah c'est un enfer monstre. On va essayer de la sortir, hein, mais elle va pas être en bon état. Affirmatif, hein. Faites un contrôle. Hein. Vous trouvez un prétexte, clignotant, n'importe quoi. Ok, je vais dire à un de mes agents d'essayer de la sortir. À de suite. Oh, mais le ouais. Bonheur, il y en a un nouveau dessin de map. Ah non. C'est quoi le véhicule là Si t'as la dépanneuse, tu peux essayer de la sortir s'il te plaît. Ouais, mais c'est quoi comme nom? Ah, Béniz. Ah, Béniz. Poussez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Mais la fourrière, du coup. C'est dedans, mais la fourrière. Ouais, ouais. alors, attendez. Attendez, je peux peut-être faire un truc. J'ai besoin de 10 en 4, je fais un... 10-20, on est... proche de la boucherie. Madame 46, on est tout proche. Allez-y, Madame 46. 10-4, Madame 46, on s'y rend. On a une autre Adam sur le terrain. Répondez pas tous en même temps. Est-ce que si je fais ça... Voilà. Okay. S'il y a besoin de renfort une autre unité, vous faites le call. Adam 46, c'est possible d'avoir une actualisation de la 10-20 là? Ouais. Adam 19. Vous pouvez la remettre en fourrière, s'il vous plaît? Oui. Avant qu'elle fasse boum. 19, 88. Adam 46, 46, boucherie, du coup. Toujours à côté de la boucherie. Merci d'être plus réactif sur la radio. Voilà, c'est bon. Et c'est quoi la plaque? Adam 95, on est actuellement... La plaque, attendez, je... 25, le suspect est passé par-dessus le pare-brise. Faut la mettre trailer parce qu'elle va faire boum ou sinon. Ouais, bah oui, c'est ça qui est compliqué. Alors la plaque. Attendez. Qu'il y a encore le véhicule là-bas, là-bas. Tap. C'est pas ça, je l'ai plus, c'est magnifique. Non, faut attendre, je pense, quelques petites minutes avant que ça revienne. Ouais. De Adam 19, on est en code 6 sur le véhicule qu'on voulait contrôler. Les individus, d'autres individus en moto essaient de nous bloquer. Et du coup, le véhicule nous échappe. Un code 99. Ouais, toutes les unités disponibles sur le code 99. Et mais on a encore Wendy hein, qui répond pas. Bah oui, c'est pour ça. Je pense que ça va être eux. J'ai toujours pas dans. Il est toujours pas revenu en fourrière le véhicule. Des agents en difficulté, on a une civile qui a disparu. Oh bah allez-y, faites ça, je vais voir le mec. On a des gens en cellule avec des armes pour d'armes illégales. Donc ce que je vais faire, c'est que eux, je vais juste leur mettre un bracelet, ils seront reconvoqués demain. C'est bon, dépannage, je m'en occupe, on verra plus tard. On va juste faire ça, ceux qui sont en cellule. Mais ils sont pas réactifs, c'est une dinguerie. On a des urgences donc. Tentative d'enlèvement avec arme. Enlèvement de qui? Bah, je crois qu'il. C'était qui les agents en question? Non, il n'y a eu aucun enlèvement. Délit de fuite et possession d'armes illégales. Ok. C'est quoi leur nom?
MK2. Attends, leur nom. Leur nom. Ah, Jamar Franklin. Tu m'as dit quoi? Il va chercher l'avocat. C'est Jamar Franklin, celui qui est en cellule. Oh, il me casse les couilles, lui. Pour ce qu'il a fait, 3000 d'amende, 40000 de GAV. Adam 61 pour Adam 06. Bah écoute, la personne que vous avez arrêtée, faudrait que vous avez amené au PDP, faudrait la garder pour le moment. Là, il y a notre 10-15 qui est passé à travers le pare-brise et du coup, on doit l'amener au LSMS. Enfin, on doit suivre le LSMS plutôt. 10-15 dans tous les cas, il va être occupé. Club 19, code 4. Ok, du coup Adam 19 RS. Bon, on a les individus ont refusé le contrôle et les motos essaient de nous bloquer, donc on a perdu les individus. Ok, Adam 19 et Adam 46, vous repartez en code 6 de Madame Baker Wendy. On a toujours pas de nouvelles. Risque de Adam 46 départ en code 6 au secteur. Le rapport d'arrestation, s'il vous plaît. Alors, la personne a voulu être contrôlée par un de nos collègues. Ce dernier a fait un délit de fuite et lors de l'arrestation, ils ont été surpris avec des armes illégales de catégorie MK2. Okay. C'est pas à nous, ça. Monsieur Franklin, ici présent, est amené au poste et son collègue est actuellement. 46 pour l'unité, on est en code 6 du coup d'une Buffalo verte, Sanchez verte et également un quad vert. Personne ne l'a frappé, vous en faites pas. Bien reçu. Oui, Buffalo, Sanchez et quad vert. 10-20. On est en recherche. Ok. J'avais pas compris, désolé. C'est des moutons. Ils savent pas quoi faire, le lieutenant. Il est où votre. Tac. Il est passé par le pare-brise parce qu'il est trop fort. Non, j'ai notifié qu'il avait les pinces, mais. La ceinture, mais. Il a réussi à se détacher et. Ah, il a sauté et du coup, là, il est. Il doit aller SMS et elle m'envoie un message quand. Ah non, elle est. Elle attend à l'hôpital, non? Oui, bah non, si. Elle m'envoie un message quand l'opération est finie et qu'il attend. Ok. Bah, du coup, retournant pas trop, comme on est toujours à la recherche d'une personne. Juste, est-ce que 57 a besoin de nous, étant donné que c'est nous qui avons fait l'interpellation de monsieur Jamar? Ah, il vous appellera au téléphone s'il a besoin d'informations directement. Je crois qu'il m'a demandé de lui envoyer un message en plus parce qu'il a pas mon numéro. Pareil, oui, c'est pareil, c'est quoi ton numéro que je note? 95. On attend avec vous. 7-7. Oui, attends, oui, donne-moi ton numéro de téléphone. 0411. Après, si tu veux juste sortir ton téléphone, je te le partage direct. Fais comme ça, ça va être plus simple. Comme ça, je mettrai sur tes feuilles. Ça serait bien que tout le monde note dans l'annuaire, comme ça au moins. Ouais, je sais. Non, mais je vais le notifier. Vous venez avec moi, monsieur Franklin, c'est ça? 57. Voilà. Allez, tiens. Oui. Tiens, 57. Ton matricule, c'est, je sais plus, attends. 9-5. Condoléances 57 pour Madame Lynch, Bella Lynch. Je suis désolé. Ok. Pour la visite, partons en patrouille, messieurs. Après. Ok. C'est merci. Parti, patrouille. Donc, monsieur... Il y a trop de monde, les gars, écartez-vous. Allez sur le terrain, là. Allez sur le terrain, on parlera après. Mais c'est juste pour vous dire où j'ai... Bah, c'est pour vous dire où j'ai mis le... Où j'ai mis les armes. J'ai mis en dessous du SNS pistol, à la dernière... Ok, très bien, merci. Dernière liane non occupée dans le casier 10. Je vais rechercher son collègue, du coup. J'en aurai d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Je sais pas ce qu'il faut dire, tout cela au poste. Bref, monsieur Franklin, c'est bien ça. Adam 07 demande. 10-97. Adam 07, de composé 07 et 4 et 97, retour en 10-41. Adam 61, on se dirige vers le LSMS pour chercher le 10-15.
C'est reçu. Non, je voulais montrer. Voilà, attendez que je suis en train de chercher les trucs. Bon. Hein. C'est mis ou pas sur la tablette le Defcon là. Ouais, compliqué, compliqué. Il y a un descriptif des véhicules que pour l'enlèvement. 10-4, véhicule pour l'enlèvement, Buffalo verte, Sanchez verte, quad vert. 4. Réitéré. Avez-vous une plaque? Négatif. Avec une copie de sa carte, voilà. Superviseur terme. Attention sur les véhicules possibles appartenant possiblement aux families, donc personnel agressif. Coup de feu au niveau du point shop dans le nord. Parce que j'ai une alarme de disponible pour aller sur les 10-13A. 46, on l'est. Affirmatif, Adam 46, rendez-vous sur les 10-13A. Quête Adam 46, on prend. J'ai pas de casier, j'ai rien du tout. Skill procureur Griffin. Adam 61, on se dirige vers un bruit d'explosion qui s'est passé à côté du LSMS, on va vérifier ce qui se passe. C'est reçu. E pas dispo. Lui, il est pion service 27. Adam 61, code 4 sur l'explosion. Adam 07, soyez disponible, rendez-vous sur le GoFast. L'homme au bonnet là. C'est pour Adam 07. Oui. On a pris mon téléphone, j'aimerais bien récupérer. Je lui ai dit en plus, au pire il me prend juste la puce. Pas vous. Non, le téléphone complet parce qu'avec la UV. Ouais, car qu'il est minuit, work. Faut pas que je traîne trop, demain matin je travaille. Enfin, demain je travaille. Il me faut encore un écran, il me faut un écran supplémentaire. Hein. Plus assez d'écran entre vous qui êtes ici, le jeu et non, j'ai rien dans mes poches, tout ce qu'il me faut. Ah si, pardon. Ah si, ils viennent le retrouver. Ok, c'est bon, merci Zorset. C'est bon, vous avez donc toutes vos affaires, monsieur ?
Ouais, c'est beau. Parfait, allez, je vous raccompagne. Donc c'est vous l'avocat? Vous êtes l'avocat de ma sœur aussi? Oui, Naïe Carter. Ouais. Ah ok. Et il a quoi l'agent là pour avoir frappé ma sœur? Ça doit être entendu par le procureur. Ah, félicitations. Ne vous inquiétez pas, il recommencera plus. Bon, sur ce maître, bonne soirée, monsieur, je vous dis à demain. Et à demain. Pas de conneries. À demain, 57. Au revoir, messieurs. Au revoir. Ok, on est sur Birdship, potentiellement une prise d'otage sur un mec et un EMS qui sait où c'est. Donc, il va transmettre l'information à 61 qui va me la transmettre. On va envoyer deux unités dessus. Ok, ok. Ça, c'est un bordel d'un seul coup. C'est plein de petites ouais, de petits trucs casse-couilles. La ouais, prise d'otage, ça ressemble au nord, ça. J'ai une idée, peut-être, attendez. J'ai envie de sortir le Henri, venez. C'est une... ça serait une ferme pas loin. Ouais, j'ai une petite idée. La Fuente Blanca, là, on a... juste dans la zone. Juste au-dessus de la Fuente Blanca. Attendez, venez, on va y aller. Autant Los Santos je connais pas, mais le Nord je connais un peu. Bah je crois que c'est là où j'avais ma maison à une période. Je connais pas, bah, le Nord j'y vais pas. Ah ouais, j'y vais quasiment jamais. Enfin ma maison c'était celle de... Qui c'est qui a répondu? Putain, je le sais pas. C'est pareil ça là, c'est... Ah bordel de merde, les portes ici. Adam 46, nous sommes à 200 mètres du GoFast. Ah, c'est reçu. 46, du coup, code 4 sur Adam 07, les années 10-24. Ouah, ça coupe! Mais je vais les niquer! 10-24, c'est où? 95 pour l'unit, on a eu un appel. Wendy Baker se trouve à la fête foraine avec des families. Ok. Vous pouvez réitérer, c'est la dame 97 qui a besoin d'un 10-24. Le GoFast, on aurait besoin d'un renfort, s'il vous plaît. On a qui là? Parce que c'est pas. Putain, c'est pour le GoFast. Ouais. Ah oui, okay. Ça bah, qui laisse tomber le GoFast, hein, on a une prise d'otage. Ok, Adam 97, c'est par rapport au GoFast, c'est bien ça? 10-4, c'est ça? Lâchez le logo fast et rendez-vous au niveau de la fête foraine avec la dame 77. 10-4, bien pris. Et à dame 61, j'attends toujours de vos nouvelles par rapport à la prise d'otage des ballas. Hein. Du coup, bah, la dame 61, là, 61 c'est. 61 pour 57, 4... on va me call les informations. Par pitié, arrêtez de vous couper la parole en radio. Par pitié. C'est vite brouillon la radio. Du coup, je réitère, c'est la dame 95-61. On est sur la fête foraine avec madame Baker. 10-4. Elle est. C'est RAS la zone? C'est clair? Ouais, la zone est RAS. On a juste vu un quad vert repartir direction Mission Roux. Enfin, direction Vespucci, etc. 10-4. On va quand même aller voir le truc des ballasses, nous, là j'ai ma petite idée. 46, code 4 sur le GoFast. Ah mais j'ai une maison là-bas en fait. Dinguerie. Ouais, c'est reçu. Ouais, c'est la truc bleue là, c'est là qu'un... Regarde le hangar bleu là, dans la ferme. Pourquoi c'est moi qui ai pris le volant? Je sais pas. Nique ta mère toi. Ah, du coup pour la dame qui est avec Madame Baker, vous prenez sa déposition et par la suite vous retournez en patrouille. Je sais pas ce qu'ils ont à se couper la parole ce soir. Ouais, et je sais pas ce qu'ils ont à parler. On sent quand même être foraine ou pas du tout? Il a plus besoin de renfort du coup dessus. Ouais. Négatif, hein, plus besoin de renfort sur la fête foraine. Oui, 61.
Il est sûr de lui? Ok, on va aller voir Grabseed parce que moi j'avais une autre idée, mais on va aller voir Grabseed. Vas-y. Ok. Ok. À première vue, d'après les médecins, ça serait une grange qui est au niveau de Grabseed. Ok, je vais demander à 46 qui mange. Ouais, pourquoi j'ai des petits mal de crâne pas. Là? Désolé. Hein. La grange blanche? Je sais pas, une grange à Grabseed à côté de la station service. Adam 46 de 77. Transmettez. Vous êtes disponible? Je suis désolé pour les petits mal de crâne là. Ouais, rendez-vous au niveau de Grabseed, on va peut-être avoir besoin de vous. Je sais pas pourquoi si. Massif, Adam 46, on remonte. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolé. Non, pas de problème. J'arrive pas d'habitude. Je pense qu'avec la neige, ça aide pas ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Je crois que la neige, elle aide vraiment pas. Il suffit que ça fait longtemps que vous êtes pas monté dans le nord, ça aide pas non plus. Ouais, ça fait longtemps aussi. En vrai, ça fait longtemps que je suis pas allé aussi loin. Agent 95 pour lieutenant 57, oui 57. Transmettez. Possible de m'appeler sur mon téléphone s'il vous plaît? J'ai des informations pour vous. Putain. Ils peuvent pas eux m'appeler? C'est qui me parle de 97, c'est ça? Appeler directement sera plus simple. Je l'ai pas et je suis avec la... 95-14. La victime. 95-14 numéro de téléphone. Victime, elle est morte? Carrément? 61 10-25 LSMS off radio pour le moment. 95. Oui, dites-moi. Les informations que j'ai, c'est que c'est bien les familistes. C'était là. Excusez-moi, c'est juste que j'ai trouvé le lieu de la photo. Ouais, c'est bien les familistes. Ok. Pas sûr que ce soit ici, hein, ce que j'ai l'air d'avoir un peu. Mais comment ils savent que déjà qu'elle a déposé une plainte? Madame 46 pour 77. Sur écoute. Actuellement en code 3 Grabseed, possible à run 10-20. Station essence. Dites-lui que je vais l'appeler. Je vais l'appeler d'ici 5-10 minutes. 46, on arrive. Arrête-toi, il y a 46 qui arrive. Ah ouais, bien sûr. Ok, mais oui, dites-lui que moi je vais la rappeler d'ici peu. Pas de soucis. Oh, il y a un mec ici. Qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Je sais pas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je pense que je vais trouver le lieu de la photo, mais il n'y a plus personne. Ouais, et monsieur. Monsieur. On peut faire quelque chose pour vous monsieur? C'est sur quoi la photo? Birdie, c'est la dernière. Je crois que c'est là où on était, parce que regarde, il y a la petite charrue. Ah c'est ça, ouais tout à fait. Ah non, c'est pas ça, non du tout. C'est pas ça. Ça ressemble à un peu. Ah. Non, c'est pas ça. Excuse-moi. Vas-y. Ah, bah... remonter. Ouais. Sinon, on va aller là où je pensais. Hein. Bah, pour moi, c'est là-bas, hein, c'est sûr. Hein. C'est là où j'avais dit en premier, tu penses? Ah, oui, petit préau. On continue okay. Suivez-moi, mais un peu de distance parce que j'ai un peu. 10-4. Je peux mal à la tête là. Je crois que ça va mieux, mais bon. Il a failli foncer dans. On va regarder là au cas. C'est pas bleu. Je
peut-être l'endroit où t'as trouvé, ça pouvait l'être, mais il n'y a pas de préau. Ouais, non, non, il n'y a pas de préau. Mais c'est vrai que ça ressemble vraiment là où j'avais ma première idée. Ouais, par contre, je vois rien avec la neige là. Bon. Oh, ah ouais, y a un brouillard. Ça va. Pour moi, là, y a un brouillard en plus de la neige. Hein. Bah, pas peu loin de 100 mètres. Ah, on voit rien. Là, tu vois, je viens seulement de commencer à voir le pick-up. Ah ouais, non, ça va, moi, j'ai une bonne vue. Ah ouais, non, ça. Ah ouais, un peu plus quand même. Ah ouais, non, moi aussi. Il y a un putain de brouillard. Ça suit derrière ça... Afi. Ça suit là. 200 mètres. Il me rappelle, mais. On n'a pas touché, hein. Au cas où. Non, non, non. Ok. Il me rappelle. Tiens. Oui, 60. Oui. Ouais, qui lui ont demandé de retirer sa plainte. Ouais. Vous êtes en patrouille avec qui, 61 ? Vous savez, 95, il m'a appelé pour me dire tout ça il y a vraiment 30 secondes. Ah oui, faut se passer les infos. Enfin, de protection de témoins plutôt de garde rapprochée. Mais oui, 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 oui. Oui, de toute façon, j'ai dit à 95 de lui passer le message que j'allais l'appeler d'ici 5-10 minutes. Pourquoi ? Oui, non mais... Non mais vous avez... 61 28, il est quel grade ? Voilà. Ok, je raccroche parce que j'arrive sur les lieux de la potentielle prise d'otage, donc je vous rappelle. Je suis disponible pour les deux derniers 288. C'est derrière, non ? C'est la même couleur. Dame 19, on est disponible. C'était là. C'est là. Ah bah allez-y, Adam 19. Ok, c'était là, mais et c'est là où je pensais au début, putain, j'aurais pas dû écouter le médecin de merde. J'aurais pas dû écouter le médecin, en fait. Jean 95, du coup, pour 57, la victime souhaiterait vous voir face à face. Est-ce qu'il y aurait besoin de... Victime, c'est pas une victime, déjà, mais... Ouais, affirmatif, on dit que de se rendre au PDP, on va pas tarder à arriver. Hein. Exactement ici. Bien, bah on va l'escorter. Et pour information, la prise d'otage qu'avait revendiqué Ballas sur Birdie, on est sur les lieux et il n'y a plus personne. Il n'y a ni corps, ni braqueur, ni victime. Et vous savez que j'ai une de mes maisons qui est juste là en fait. La maison qui est là, c'est une de mes maisons. Ah d'accord. Ah oui, l'une... En fait, ils ont fait ça sur mon terrain. L'une de vos maisons, c'est-à-dire que vous avez 40 maisons. J'en ai 3. Ah oui, tout va bien. Vous voulez faire un tour dans celle-ci pendant qu'on y est. Je crois qu'il y a encore un truc à manger. Attends, venez. Je crois que le même compte, il a tweeté Little Seoul. Donc c'est qu'il devait être par là, non ? Ouais, venez, on va les voir. Ouais. C'est où, zéro balas, ça dit. Et même Wardog. Mmh. Ouais, c'est bizarre. Mais par contre, en fait, la photo, je crois qu'elle a été faite il y a longtemps. Et il repose juste... Okay. Ouais, est-ce qu'il l'a reposté avec plusieurs trucs différents ? Ouais. Vous avez vraiment une petite maison à l'écart là. Du coup, Oui, j'ai 3 maisons. J'ai une villa, j'ai celle de Mirror et j'ai une à la campagne. Violation de propriété, hein. Bah ouais, en vrai. Bon bah allez, hein. Allez, hein. Ouais, chez le lieutenant. On va se mettre au chaud chez le lieutenant. Il veut bien ouvrir la porte. Ouais, vas-y, sonnez, hein. Sonnez à fond. Ah oui, 19, ah, c'est sympa. Sur les derniers 288, c'est cosy, hein. Parc. Ah, c'est aussi. C'est sympatoche. Voilà, hein. Sympatoche, lieutenant. C'est gaz, hein, c'est bien. Hein. Je crois que c'est la même maison que Ted Bundy, hein. Ah bah non, il me reste juste une glace à la fraise. C'est une des maisons, voilà. On a des trucs à manger ou à boire, si vous voulez, là. Ah oui, il y a sacré fauteuil pour le bureau, là. Bah, ça, c'est... Ah, il s'est mis à l'aise pour les rapports, le lieutenant, le soir. Mmh. Ouais, j'ai 3 maisons, en fait. Ah oui, d'accord. On est... Mais moi j'avais oublié que j'avais celle-ci. Je la paye pour. Mais celle-ci elle est achetée. Mmh. Allô ? Oui. On arrive ici. Puis là, y a un petit salon qui fait bon. Oui, ça va être bon pour cacher les bavures. T'es à l'accueil ? Exactement. Dans une salle. Oui, dans la cave. Je demanderai à Dan de venir. Ah, mais est-ce que j'ai une voiture là ?
Ah t'es où la scène? La redécouverte de la barrage. Ok ok d'accord, très bien. Ah ouais. Attends, c'est bon, bah de, c'est, de suite. Oh, elle a plus de batterie, hein, si. Ah oh, bah c'est la dame encore. Ok. Putain, j'avais oublié. Ça paye, hein, le lieutenant. Non, j'ai rien sur mon compte. C'est tout. Je demanderai pas de virement ce soir, tant pis. Ok, Sur mon compte, j'ai seulement 341 000 dollars. Oui, ça va. Du coup, bon. 82, tu repars, avec, tu repars avec 46. Moi, avec le lieutenant, on va partir à l'hôpital. Ok. Je vais conduire au lieutenant comme ça. Moi, ouais. On va au poste, c'est ça? Hôpital. T'as dit quoi? On va à l'hôpital. Pourquoi? Elle est là-bas. On va pas au poste. Ah bon, elle est pas au poste? Non, elle est à l'hôpital. Ah ouais, oh là. Allez. Adam 46 se transforme en Tango 46, composé de 46, 78 et 82. Tango 57 se transforme en Adam 57, composé de 57 et 77, code 4 sur le prise d'otage Ballas, et on fait route hôpital pour un 10-6. Tango 46 pour Central. Transmettez. Ouais. Je le bégis parce que tu conduis. Little Seoul, ouais. Du coup un code 6. Discord, avait fait un code 6 Little Seoul. Mais je pense que la photo elle date d'il y a quelques temps et que c'est juste une photo repostée. Oui. Tango 46, on se rend vers Little Seoul. Mais je sens que les familles, là on va aller faire une descente chez eux, ouais, SWAT. Ah merde, c'est autre, bon tant pis, c'est autre sortie, je voulais prendre, mais c'est pas grave. Y'a pas l'autre là, comment ça s'appelle, Nono ou je sais pas trop quoi, qui est dans les Families là? Qui ça? Non, l'autre là, d'hier, Nono là, je sais pas trop quoi. Noramos? Ouais. Ah si, mais c'est la triple OG des Families. Ah, d'accord, ok. Tom 07, fin du contrôle, retour en 1041. Ah putain de neige de merde. Convaincu de être mis au courant, il va péter un câble. Il va vouloir brûler leur baraque, je pense. Non, mais je vais demander à voir le gouverneur. Et on va lui demander d'autoriser une descente chez Families. Descente SWAT, là, bien organisée, bien propre. Bah, c'est à qui cette voiture-là? Je sais. Si, il y a celle de 27 qui est restée là, et l'autre, bah, c'est 61 et 95. Ah. Infos. Dis-moi. Du coup, elle pense qu'ils ont su qu'elle avait porté plainte en gros quand elle est partie dans la chambre de Noramos. Noramos était en train de se faire soigner. En gros, elle est rentrée dans la chambre et elle l'a dit. Du coup, Wendy a dit je pense qu'ils ont identifié ton frère car il était démasqué. Et du coup, elle pense que tout est parti de là, de ce que j'ai compris. Et en gros, comment ça s'est passé, comment ils ont attrapé Wendy, c'est qu'elle était à la fête foraine, en train de jouer au jeu d'arcade. Il y a plein de voitures vertes qui tournaient autour. Du coup, après, elle a envoyé un message à 19 pour dire c'est bizarre, il y a pas mal de voitures vertes qui tournent au niveau du truc d'arcade. Donc c'est là qu'on a eu le call. Et après, du coup, il y a un mec en quad qui l'a abordé. Et il lui a demandé ce qu'elle faisait là et tout ça. Et après 5 minutes après ça, elle s'est fait attraper. Et du coup, apparemment, elle a dit que c'était les Families qui l'avaient attrapée, qui lui avait dit qu'elle avait une langue bien pendue, qu'elle devait mettre son véhicule en verre pendant 2 semaines et qu'elle devait retirer sa plainte. Tout ça.
Et elle pense aussi que la personne sur le quad, c'était le frère de Noramos, du coup. Okay. Je sais pas si elle a la certitude, j'ai pas tout bien compris vu qu'elle était un peu en train de trembler et tout ça, mais du coup, soit elle a la certitude, soit elle pense que c'était lui sur le quad. Donc voilà, okay. Après si t'arrives à avoir quelques infos, au moins t'as tout ça. On repart en patrouille ? Affirmatif. Okay. Oui, monsieur le gouverneur, ça substitue du procureur. Est-ce que c'est possible de vous voir au gouvernement On doit attendre un peu parce que on a toujours pas notre suspect qu'on avait arrêté avec les deux pistolets MK2. Je préfère vous le faire de face. D'ailleurs, il est là, oui. Est-ce que tu sais où était autorisé ou non une qu'on avait ramené au SMS que Isadora avait. Je crois qu'il est en cette opération, là, l'opéra, du coup. J'ai pas plus de nouvelles, mais en tout cas, l'opération est finie, là. Je vais lui demander. Okay, parfait, ouais, merci. Mais après, vu que c'est vous qui allez faire le papier, c'était pour prendre un peu de l'avance. Coupez-moi le bleu sur le véhicule et vous tapez par écrit tout ce qu'elle vous a dit là. Comme ça, au moins, on aura. 46, on est à côté du. Ok, je vais taper ça. Voilà, vous mettez au chaud dans le véhicule là, tranquillement. Merci. Tant de taper tout ça sur la tablette. Ouais. Bah, tiens, je vais faire ça. Ok, on va parler avec elle et puis on a rendez-vous avec le gouverneur après. Et puis on a rendez-vous avec le procureur pour nous demander. C'est toi 57 et 77. T'as failli t'appeler 28. Toi 46, du coup on prend les derniers deux. Ah, du coup, je leur ai dit qu'ils me mettent tout ça par écrit là, tout ce qui est leur avait dit. Elle est en état de choc. Mm-hmm. Tremble énormément, elle a très peur. Mm-hmm. Alors, on l'a rassuré, on essaie de rassurer. Ça range. Mais. Mais disons que. Ça va pas. Moi je l'ai au téléphone, j'ai bien senti. Là. 57, je reste au radio, mais je peux pas vous répondre radio. Je suis à l'hôpital avec 61. Une victime. Si vous avez besoin de me joindre, vous m'appelez directement par téléphone. Ticket. Comme disait, pareil pour 77, je transfère la centrale à 46. Il faudrait une garde rapprochée envers elle. Ouais, on va regarder ça. Je vais voir avec elle. Et disquette 46. Oui, c'est plutôt ça. 46 se transforme en Sierra 46. 46 départ d'une Buffalo Bravado verte sur le 148. Occupé deux fois. Il y a 57 qui est là. C'est quoi de nouveau votre matricule ? C'est Delfarge. 77. Delfarge, ok, monsieur Delfarge. Okay. Il est apte ou pas de ce qui s'est passé ? Il a parlé ou pas ? Ok, 57 ? Ouais. Est-ce que vous voulez discuter ici ou... Non, on va discuter ici. Je vous laisse... Ok, parfait. Je vous laisse la salle dont on va rester dehors, ok ? Ok, pas de soucis. Pas de soucis. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous... Pas de problème. On vous appelle. Parfait. Merci à vous. Pas de soucis. Bon, Wendy, je suis pas bien. Tu te sens ? Ils veulent me tuer. Mais non, t'inquiète. Je te jure qu'ils m'ont menacé de mort. Tu sais par rapport à quoi ? Tu veux t'asseoir ou pas déjà ? J'arrive pas, j'arrête pas de me relever, ça me prend la tête. Okay. Dis-moi. En gros, j'étais à la fête foraine. Je crois qu'à ce moment-là, je parlais avec 19 et je lui dis je suis à la fête foraine. Déjà, je me fais pas aborder, mais plus ou moins par un quad avec un mec masqué vert, full vert. Donc je me dis bizarre. Bon. Pas plus, donc je signale et en fait je vois une Buffalo qui tourne aussi, donc je me dis ça commence à devenir bizarre, donc j'ai signalé à 19. Je me suis dit si jamais il faut que ce soit au moins faut qu'il y en ait au courant. Et genre peut-être 5 minutes après, bah c'est à mon tour, j'étais au niveau de l'arcade de jeu, c'est à mon tour et ça me demande de monter. Je monte, elle me dit la personne, donc c'est une femme, me dit. Tu vas voir, je sais plus comment elle a tourné ça, mais en gros, elle m'a dit tu vas voir que nous, on n'est pas des rigolos, on va te faire voir qui on est réellement. Donc, je me dis ok, je pense pas que ce soit pour une flicka, je pense pas que ce soit pour une supérette non plus, je pense que c'est pour moi, hein, tout simplement. Donc, je cherche dans ma tête ce que j'ai pu faire qui a été contre leurs attentes. Et ça a un rapport justement avec l'histoire d'hier. Le 10-50 devant l'hôpital, le fait que Toufik Mos soit démasqué. Mais ça, c'est pour une petite plainte. C'est parce que j'ai posé plainte. Comment ils savent que tu as posé plainte ?
En gros, je suis allée dans la chambre de Nora et je lui dis, écoute, je pense qu'ils ont l'identité de ton frère parce qu'il était démasqué. Je lui ai dit. Mais ça veut pas dire que t'as posé une plainte. Et après, elle m'a dit, mais je t'ai vu au Comico. T'as fait quoi là-bas? Du coup, bah, j'étais obligée de lui dire, elle était en train de me menacer. Quand, aujourd'hui ou c'est hier? Aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui là, quand elle a été au poste en fait. Elle est passée devant moi, elle m'a vue au poste. Elle m'a demandé ce que je faisais là et en fait elle me menaçait en fait, donc j'ai été obligée de lui dire que j'avais posé plainte. Oui, c'est bon, c'était... Et elle m'a dit qu'il fallait que je retire cette plainte, parce que sinon elle allait me retrouver et que ça se passerait pas comme ça s'est passé ce soir. Okay. Que, plein de trucs, plein de menaces en fait. Ce qu'on va faire, c'est que ta plainte, on va faire comme si elle était effacée, d'accord? Elle sera pas effacée. Toi tu fais comme si, nous on va faire comme si, et on va passer ta plainte seulement en appui d'une autre plainte, ok? Parce que toi ta plainte et celle de Mike, vous avez fait exactement la même. Oui, parce qu'il était témoin. Voilà, donc on va faire l'inverse sur les papiers, et enfin... Je dans la réalité, confirme ça, autre voilà, chose aussi voilà, après. Dans la réalité, c'est, ta plainte il sera toujours, mais toi si on vient nous poser la question, de bien faire passer le message que ta plainte a été supprimée. Okay. Ça marche. Voilà. Il va falloir que je mette mon véhicule en vert pendant 2 jours. Ça, quand je m'en fous. 2 jours? Ok, parce que moi, j'ai 2 semaines juste avant. Non, 2 jours. Parce qu'en fait, il y avait l'individu Toufik en fait, qui était sur son quad, qui après s'est démasqué et m'a dit « Tu me reconnais ?» Et bon, j'étais en état de choc. Je venais clairement de soigner une des leurs qui était tombée, en fait. Alors que j'aurais pu ne pas le faire et je l'ai fait quand même. Et ils ont dit on a bien fait de pas la tuer, elle nous est utile, enfin ce genre de choses. Putain. Pardon. Je comprends pas en fait. Tout s'est passé tellement vite. À un moment, il y a une patrouille qui est derrière, qui nous suit. De très près, et ils veulent faire un contrôle parce qu'elle roulait très vite, la personne. Elle est sortie, elle m'a dit si tu cries, t'es morte. Je sais pas ce qu'ils ont les flics avec toi, mais ils veulent tous te protéger, tout ça, enfin, que des trucs comme ça. Non, bah c'est qu'on... nous, en fait, direct, tu m'as pas répondu, t'as raccroché, donc direct... C'est pas moi, elle avait mon téléphone, je... Ok, bah direct, en fait, j'ai mis un état d'alerte pour un potentiel kidnapping, donc c'est pour ça que tous mes agents étaient à la recherche. Il y a d'autres individus qui se sont interposés justement à cette patrouille, une voiture blanche. Un ray blanc. C'était pas un ray blanc, ça avait l'air d'une voiture volée plus. Ah, ok. Pas, la plaque était... Une berline ou un 4x4 Une berline. Berline, okay. Berline blanche, un homme, j'ai regardé dans le rétro avec un mulet qui est sorti, je saurais pas dire plus, okay. Il était de dos. Un homme avec un mulet. Ouais, vous demandiez à la patrouille qui a contrôlé, elle saura peut-être vous dire. Bon, nous on va s'occuper de ça, hein. Ils m'ont vraiment menacé de me retrouver. Ouais, on va leur montrer aussi c'est quoi le speedy. Toi, ta plainte, si elle sera retirée, slash non retirée, je pense que t'as compris. Et ton véhicule, bah, je peux quand même, monsieur. Je m'en fous. Ou le envers, ça, on s'en fout. Oui, oui. Une info à donner en même temps, du coup. Hier, le dénommé Toufik m'avait appelé quand j'étais au Takoloko. J'ai pas compris son message, mais apparemment il aurait reçu un message. Et il aurait dit. Et le message disait que Wendy, il fallait se faire foutre, il fallait qu'elle fasse gaffe. Autre genre, c'était une insulte. D'accord. J'ai tout téléphoné avec lui, il m'a dit ça. Et quand j'ai expliqué, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe et pourquoi, il a fait ouais, je passe sous un tunnel et il a raccroché. Il m'a rappelé. Quelques heures plus tard, pour me demander le numéro de Wendy pour qu'il s'excuse. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le donner comme ça et que je voulais son accord. Wendy n'était pas d'accord avec ça, elle verrait elle-même, je sais pas, j'ai pas eu plus de nouvelles. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il m'avait envoyé aussi des messages, il m'avait demandé si oui ou non j'avais une réponse. Je lui ai pas répondu. Mais voilà. Je préfère au moins dire quand même cette information. D'accord, très bien, très bien. Écoute, pas de problème. J'ai tout fait. Ok. Je
sais pas si ça peut vous aider, mais au cas où. Non, bah je prends note, je prends note. On va mettre sur le, on va mettre sur le tas de cette histoire là. Là, on a pas mal de choses, donc ça alimente le dossier. Okay. Très bien, très bien. Bon, je reviens. Oui, bien sûr, vas-y. Pas de soucis. Ok. Monsieur, vous voulez rester tout seul avec moi 19h10-25, Bénis, 10h40, bon, du coup. Ouais, c'est tout bon pour le moment, elle va rester là. Moi, je vais, j'ai juste un rendez-vous au gouvernement, je prends ma fin de service et je viens la chercher après. Ok, pas de tout. Si jamais, ouais. Si elle peut soit dormir chez quelqu'un, soit même dans chez moi ou quoi que ce soit. Oui, bah, je vais la chercher. Si elle a besoin de déplacement au rendez-vous, elle ira. Sinon, je vais rester dormir devant chez elle. Bon, au pire, elle dort à la maison, hein. J'ai... Oui, mais je reste, j'habite je à côté. Reste... Oui, mais sécurité, moi aussi. Bah, en fait, là où va être la maison d'à côté, c'est un agent. En face, c'est un agent. Moi, je vais dans une voiture dans la rue. Dans tous les cas, je suis... Vous habitez Mirror Park, non ? Ouais, c'est ça. Je suis pas loin, moi, non plus, de Mirror Park. Il y aura 46. Bah, c'est pareil, moi non plus, moi aussi. Hein. Non, mais vous inquiétez pas. Donc voilà, je viens la chercher d'ici peu. Je vais faire le rendez-vous et je vous dis à tout à l'heure. Bien sûr. Voilà, je lui dis là, de se reposer. Parler d'autres choses. Hein. Ok, ok, ok. Donc au gouvernement. Ouais. 57, retour radio. 46, retour... 77, retour radio. Ah mais non mais claquez là, claquez. Adam 57, fin du 16 hôpital, on va au gouvernement pour un 16. Ouais. T'as vu mon message 95 95 95 pas 95, 57 pardon. Ouais j'ai reçu, j'étais en train de le lire. Je regarde ça juste après. Mais j'ai mis toutes les informations avant que... faire de déposition, est-ce que moi je fais une déposition de ce que j'ai entendu? Non. Non, aucune? Non, okay. Non, t'inquiète. Ah, ok, on va parfait. Ok, bon. Famise, là on va leur faire une belle descente, on va tout retourner. Enfin, il faut que le procureur il accepte déjà. Mais. Je te mets l'adresse du gouvernement ou c'est bon, bon t'inquiète pas. Je connais la ville quasiment comme ma poche ici. Il y a que le nord que je connais pas trop. Mais... Bon, on est deux. Bon, t'as vu au final le nord, je le connais un peu quand même. Ouais. Pourtant, j'y vais pas souvent. Commence à me taper sur les nerfs les families avec leurs actions. Ouais. Kidnapper des agents de police, des civils, tabasser des agents, tirer sur des agents. Il va falloir qu'ils se détendent, non hein. 46, code 4 sur les années 288. Bon, c'est juste ça, ça justifie la descente, hein. Il va oh pas oui, me faire... oui. J'espère qu'il va pas me faire chier. Déjà, deux ou trois agressions sur des agents, plus des kidnappings sur des civils avec des menaces de mort. Je pense que c'est déjà suffisant, hein. Oui, bah déjà, rien qu'un agent qu'un agent, c'est déjà pas... Ouais, un agent des services publics, hein, que ce soit LSMS ou SPD, ça suffit pour... Oui, c'est... rien que ça, c'est déjà valable. Ah oui, ils ont pointé avec une arme des médecins hier. Yeah. Oui, aussi. Des menaces tout à l'heure en plus. Non mais. Menaces. Bah ils ont menacé. Andy. Ah oui, non, je crois que tu me parlais. Mais je crois que tu me parlais encore d'un autre truc. Ah non. Je l'ai pas celle-ci. C'est vrai que c'est rare que je suis avec cette tenue. Adam 61, code 4
sur le SMS reprise de 10-40. Et moi, ça me choque. 10-25 bénisse. J'abaisse ma radio. 57 et 77 off radio. Vous, hein. Bien et vous? Bien, allez, venez, on va dans mon bureau. C'est bon, j'ai dit. Dans mon futur bureau, mais dans mon next bureau. Pourquoi vous pensez que vous allez pas repasser? Bah, le problème, c'est que j'ai tout le LSPD avec moi, tout le LSMS, les trois quarts des patrons d'entreprise. Mais bon, vous savez, dans cette ville, il y a beaucoup de personnes qui votent l'OVNI. Donc. Ouais. Enfin, je vous avoue, moi, aussi, les autres candidats, ça me fait plus peur qu'autre chose. Ouais, ça, je peux comprendre. Bon, je vous écoute. Oh. Alors, je viens vous voir parce que j'aimerais que vous autorisiez une descente au quartier des Families, donc au niveau de Forum Drive. Les raisons sont multiples kidnappings sur agents de police, 27, okay. 61 et 95. Coups et blessures à l'arme blanche sur un agent de police. Blessure par balle sur un agent de police. Menace de mort sur un médecin. Kidnapping sur Madame Wendy Baker. Également okay. Menace de mort sur Madame Wendy Baker. Menace à l'arme à feu sur Monsieur Mike. Mince, j'ai perdu son nom de famille. Attendez, je vais retrouver son nom, Mike, sa plainte. C'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Mike RCI. Ok. Voilà. Et vous me faites un beau petit dossier que vous m'envoyez via l'intranet. Ok, bah je vais vous envoyer les deux dossiers d'enquête, plus les trois voilà. Dépôts de plainte. Et puis voilà. On voit ça dans la soirée. J'ai essayé de voir avec le frère de la personne que vous avez arrêté pour éviter pour qu'il arrête de vous menacer. Il m'a dit que du moment que vous resterez calme et pas de bavure, qu'il n'en fera rien du tout. Donc, bah, il a été arrêté tout à l'heure avec possession d'une arme à feu illégale. Oui, il m'a dit aussi. Ah, ok. Bon, il m'a dit je suis avec mon avocat, de toute façon, on va se voir bientôt, monsieur le gouverneur. Oui, parce que demain, je vais le reconvoquer. Vous êtes disponible demain? Parce qu'il faut que vous soyez alors, là aussi. Alors, je n'ai pas trop le choix d'être disponible maintenant, puisque entre ça, mademoiselle Palmas qui m'a demandé d'être là, il faut que j'aille à l'hôpital pour faire une visite de contrôle. Très, très compliqué demain. Donc oui, je suis disponible demain. Demain, entre 21h30 et 22h, c'est quoi qui vous arrange? 22h. Ok, bah, demain à 22h, je le convoque, si vous pouvez être là aussi. Comme ça, je fais un petit interrogatoire pour essayer de voir s'il est coopératif sur la provenance de l'arme et tout, parce qu'il a dit qu'il s'en foutait d'en perdre une, parce qu'il allait en avoir plein d'autres. Il nous a dit ça, donc... Oui, bon, après, M. Carter nous a dit la même chose la dernière fois en interrogatoire, donc... Oui, voilà. Donc, essayez de voir s'il veut être coopératif, et puis après, c'est vous qui trancherez de ce qui se passe pour lui. Ok, parfait, bah, je ferai la convocation 22h, alors. Et je vous envoie le papier en fin de soirée pour... avec tous les éléments qu'on a contre les Families. Ah oui, il y a aussi y a vol d'un véhicule hier soir sur le parking du Pacifique. Tout à fait, ouais. Voilà. En plus, parce que j'ai eu avec son numéro de téléphone, j'ai eu du coup la confirmation de son identité qui est aussi un membre des Families de Forum Drive. Oui, pas de soucis. Voilà, il y a ça en plus. Vous avez pu voir ça aussi, les ballasts là qui se promènent en ville ou je sais pas quoi? Alors, attendez. Je te rappelle dans 2 minutes 61. Dis-moi. T'es sûr que c'est eux? Je suis sûr et certain, ils sont démasqués, c'est les mêmes que la photo. Eh bah tu... Ah ouais, mais ils sont sur un parking. Ok, tu vas voir Jess Palmer si elle est là. Tu dis comme quoi tu as des preuves qu'ils ont fait une prise d'otage. Tu demandes si elle t'autorise à les arrêter sur son parking. Si elle te dit non, tu dois attendre qu'ils sortent et tu les arrêtes. Si elle te dit oui, tu les arrêtes sur le parking. Ok. Qui demande une unité en renfort? C'est qui sur le parking Justement, les ballasts là, de la photo sur. C'est la photo qui avait mis sur. Merde, comment ça s'appelle? Sur Birdie. J'ai un de mes agents qui les a en face de lui sur le parking du Beniz. Ok, très bien.
Donc voilà, nous on s'est rendu sur les lieux de la photo. Palmas, j'ai une question à vous poser. Est-ce que cela vous dérange si jamais une patrouille de police vient pour arrêter deux ballas ou quoi qui sont sur le parking du Bénis? Vous s'en foutez? Très bien. Ok, bon. De 57 okay, voilà, à 61, bien. Madame Palmer, ça a autorisé l'arrestation des ballas. C'est ceux qui sont sur la photo sur Brady. Pour Dame 07, donc, voilà. Possible d'aller sur le coffre. Faites attention à vous, mademoiselle Palmer. Merci beaucoup. Bonne... Voilà, c'est bon, ça c'est réglé. Ok, parfait. Je vais le rappeler au cas où, je sais pas si m'entends du radio. Oui, t'as entendu le radio. 46, enfin central, pardon. Oui, on verra ça pour la descente chez les familles. Sont... Ouais. Mais je voulais au moins vous en parler de vive voix, c'est mieux que par téléphone ou que par écrit. Bien sûr, que par écrit. Donc faites-moi le dossier, voilà. Y a pas de soucis, on verra ce qu'on fera. Et demain, parfait. Je serai là pour monsieur. Non, je crois, je 95 pour 57. Ouais, ok. J'ai aussi j'ai une question. J'ai. Ici 77, attends, se mettez. Est-ce qu'on peut sortir la létale parce qu'ils sont potentiellement armés du coup? Attendez une deuxième unité, Adam. Sierra 46, rendez-vous sur le Bénus. J'ai connu toute l'histoire avec lui, j'étais totalement contre. Donc je voulais voir avec vous, on est d'accord que ça sera jamais validé pour lui. Ça sera jamais validé. Après c'est à vous de valider, mais moi je sais que je vais contacter l'avocat parce que je savais pas que c'était pour Monsieur Povitch. Mais je vais expliquer à l'avocat le passé de Monsieur Povitch et pourquoi on... Ah oui, parce qu'avec le passé qu'il a, moi j'étais totalement opposé à ça. Je me suis dit, si lui on le blanchisse, c'est... Ah bah c'est comme si vous blanchissez le plus grand criminel au monde. Ah bah oui, mais on est d'accord, ok. Bon bah ça me rassure alors. Parce que je me suis pris un peu la tête hier soir avec 28 par rapport à ça. Non, Marco Povitch. Ok, parfait alors. Nickel. Donc okay. Voilà. Bon, bah, j'ai besoin de vous demander aussi quelque chose. Oui, allez-y, faites. Parce que là, actuellement, du coup, madame. J'ai oublié son nom. Merde, ça y est. Wendy Baker ? Ouais, Baker va être sous la protection de 27 et de moi-même cette nuit. Je voudrais l'autorisation de pouvoir garder mon arme de service cette nuit, en cas de problème. Non, de moi et toi ? Oui ? Ah, parce que t'as dit 28. Ah putain, oui, mais 28 habite à côté aussi. Oui, vous pouvez garder votre arme. Merci. Votre arme de service pour ce soir, y'a pas de soucis. Attendez, je suis en plus okay. Partie du SWAT, ça serait... Voilà. Ok, bon, moi je resterai devant. Mais ok, parfait. Allez, c'est tout. 07 en 140. C'est toujours pour moi. Ah bah, Béka, merci à vous. Allez, je vous raccompagne, de toute façon. On va à dos bleu. Retournez, voir ma... mademoiselle Palmas. Dites-moi, monsieur le gouverneur, pour se présenter aux élections, il faut pas aussi ne pas avoir un dossier médical qui fait qu'on n'est pas totalement stable? Non, malheureusement, il n'y a pas ça pour se présenter. Ah, ok. Parce que j'allais dire, du coup, vos deux opposants sur trois, ils ont un dossier médical... Je comptais sur vous pour poser la question actuellement sur le fait qu'un de mes deux concurrents avait des petits troubles de mémoire. Oui, c'est ça. Mais en fait, cette question n'a pas été posée. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'étais pas très disponible dernièrement et je l'ai vu trop tard le fichier. Du coup, j'ai pas pu poser cette question. Parce que il y en a deux et médicalement, ils sont pas très stables. Oui. Il y en a une qui a des pertes de mémoire, mais qui retrouve la mémoire, donc c'est magnifique. Ah, c'est ouais, c'est beau, en fait, elle a des pertes. C'est une perte de mémoire sélective. Ah, c'est magnifique. Coup, c'est voilà. Ça. Donc voilà, bon, je vous raccompagne, okay. Je sais pas où c'est garé. Ouais, juste à droite. Sur le côté. Ah ok, moi je suis garé en face normalement. Bon. Il y a pas de voiture en face. Pas ma voiture. Ah non, c'est le seul qui a vu les pneus neige. Ouais, parce que là, il y a pas votre voiture en face. Ouais. Vous voulez qu'on vous dépose quelque part? Bon non, je vais récupérer une seconde de Voltaire dans le garage. Mais celle-là, elle a pas la plaque Griffin, c'est triste. Ah. Adam 19, 10-19. Bon ben on vous souhaite une bonne soirée messieurs. Ouais, merci vous aussi. De même. Et à demain du coup. Ah oui, à demain du coup. Faites attention à vous. Ouais, merci. Merci. X, nous sommes le 30-12-2023, il est actuellement... Tu parles par radio. Il fait un droit Miranda sur la radio lui. On leur met quoi? Bon, allez. 57, retour radio. Madame 57, fin du 10-6 gouvernement, 10-19. Oh.
Ok, on va prendre un véhicule 4 places. J'ai... On va aller la chercher. Ouais. Bah j'ai le DBX. On va peut-être prendre deux véhicules de la DB si ça te dérange pas. Ok, donc ouais. On va rester. Je vais garder ma plaque moi, mais en civil. Ouais. Je vais juste me changer parce que ça me fait chier de me changer après avoir pris mon fin de service machin étant. C'est vrai. Je me change tout de suite. J'ai une suspecte qui s'est enfuie. Ils vont sûrement revenir pour récupérer le véhicule. Je vais rester à côté du véhicule. Ouais, ça me rappelle l'époque où j'étais à l'armée. Ah, ce soir, t'as du mal par contre avec les matricules. T'as voulu t'appeler 46, tu m'as appelé 28, tu t'es appelé 28. Ouais, attends, mais fin de semaine. Après, on peut aller dormir aussi chez moi, un autre endroit ouais, qui est pas connu. Aussi, ouais, ça peut être pas mal ça. Je pense que ça peut être mieux même. C'est pas connu. C'est pas sur Mirror Park parce que Mirror, s'ils la cherchent, ils vont forcément tourner à Mirror en sachant que tous les agents vivent là-bas et les médecins. 78 pour centrale. Je vais juste poser le reste, je vais garder mes deux paires de menottes et mon arme. Mais... Ok, je vais dans mon bureau 5 minutes, après on y va. Je vais prendre un chargeur en plus, on sait jamais. Paire de jumelles, si je la garde. Je vais garder ma paire de jumelles, ma lampe torche, quoique. Ouais. Ah, y a plus de munitions, affolant ça. Chargeur est déjà plein, c'est quoi cette arnaque? Attendez. Ok, bon. Ouais. Une question, ouais. Demandez avec 88 du coup, parce que bon, avec la situation on est, le PPA en tant que LSPD est valable en dehors de. Non, malheureusement, il n'y a que les inspecteurs et certaines unités encore pas tous. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que nous on peut on peut passer un PPA civil, du coup, Alors oui, il faut passer le PPA civil à l'armurerie, il faut déjà acheter une arme à l'armurerie, parce que les armes LSPD. Oui, les armes de service, ça j'imagine bien, oui. Vous avez pas assez de place au niveau de la dame. Donc c'est pour eux, ouais, faut qu'on voit si le PPA et les Speedy peuvent fonctionner en civil aussi. Moins qu'on a une arme d'hors service. Ouais. Quoi, donc, demande que vous avez une arme perso. C'est ça, quoi. Ce serait pas mal. Mais je pense que ça. Là, par exemple, dans l'exemple là, type, c'est que 88 et moi, du coup. Mais il faut que je joue avec le lieutenant et le commandeur aussi. Pour service. C'est comme les personnes qui veulent nous chercher, je les vois traîner souvent dans les bars. Ouais. Ils sont au vol ce soir. Donc on va éviter les bars ce soir. Ok. Et un 10-10 du coup. Bah oui, on prend 10-10 avec le lieutenant. Vous avez peut-être quoi de beau. Là on va rentrer. On va se. Ok. Ouais. Moi, j'avais une petite idée à proposer, mais du monde. Mais... Non, le soir. On a un peu claqué. Il n'y a pas de soucis. Écoutez, bonne soirée à vous. Ouais, bonne soirée. 77, 10, 10. En gros, si.
Si, mais pour les gradés et les brigades un peu spéciales. 78 pour 95. On avait détenu au poste, venez faire votre partie de la procédure. Pour l'instant, 15, on est en. On cherche la dernière suspecte qui s'est enfuie à pied. 4, on va s'occuper des deux du coup. Je tapais dans le frigo et puis. Ah, c'est vrai, dans le frigo, il n'y a plus rien, putain. Prendre deux porcs au caramel, y'a plus rien à boire. Il était arrêté pourquoi à la base? Montrez-moi, je regarde. Allez-y, regarde. J'arrive. Regarde. Adam 95, du coup 19. Attends, j'arrive en. Ah oui, c'est moi. C'est moi qui 5 sur le dernier. On était juste dans le nord et tout. Ah merde. Oh putain, ils sont définitivement dans le galet, nous sommes bien amis et tout. SNS des braqueurs là. Qui est braqueur? Il y a pas de braqueur? Qui vit pas braqueur? Bien, venez avec moi ouais. Mission. Enfin, pourquoi il y a un capitaine de la marine juste devant? Venez avec moi, monsieur. Je m'en suis. Pas besoin de faire de casier, on a un des. Eh bien bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je suis libéré. Personne sait que c'est moi, c'est quand même magnifique. Ah merde, je me suis. Ouais, je suis passé directement par la tablette. Moi je comprends pas, pourquoi c'est un mec de notre groupe qui nous braque, qui nous met en prison là Moi je comprends pas, attends, t'es un frère de Pont, et tu nous mets comme ça en prison. Là je comprends, y'a que des blancs mecs là, mais là pourquoi toi tu nous mets en prison? Non, je suis en prison. Ok, je pose mes affaires et on y va. Ok. On passera récupérer, je pense, à boire à manger, à moins que t'aies un truc chez toi. Ouais, on passera. Y a Wendy, juste des collègues, l'on mène quelque part. Ok. Donc on va les rejoindre. Maintenant. Et après, on l'emmènera dormir ailleurs. Ouais. Du coup, j'ai Madame Baker au téléphone, elle me dit que là, ils vont tous ensemble. Ouais, je sais, j'étais en train d'essayer de l'appeler. Dites-lui que je l'appelle là. Bah, il t'appelle, réponds-lui et tu lui expliques du coup. Ouais. Allô? Allô, allô? Ouais, non, mais monsieur, ouais. Monsieur, dis-moi, est-ce que vous nous acceptez 77 et moi ou pas? Parce qu'après, dans tous les cas, on va t'emmener dormir quelque part.
On a fait super raid, vous en parlez pas. On a fait super raid, on a fait plein de trucs comme ça et tout là. Et le monde aussi, là, ça sert à rien. Là. Voilà, et puis après on t'emmènera dormir quelque part, un endroit pas connu ni rien. Ouais. Ok, nickel, bah de suite. Je vais garder une paire de menottes. Moi, j'ai gardé les deux. De toute façon, moi, dans, le... ouais, dans l'étui, c'est avec les deux. Donc... Ouais, ouais, je garde aussi, on sait jamais. J'ai pare-balles, je vais le mettre dans le coffre. Comme ça, s'il y a besoin, on lui donnera. Comme ça, s'il y a besoin, on lui donnera un gilet pare-balles. On sait jamais. Hop. Si, il faut que je fasse ça. Veste. Voilà. Oh là là. Parfait, allez. J'ai pas vu l'heure, heureusement qu'on vient de me, on vient de me dire à quelle heure qu'il était, j'ai fait bof. Je vais rester en service. Tu restes en service, ouais. Je reste en service, mais je suis plus sur la radio. T'as gardé ta radio ou pas? J'ai gardé la radio, mais de toute façon, comme je suis hors service, faut que je la prenne aussi. Je prends le service sur le téléphone si ça barde et pour appeler du renfort. Mais... 57, 16, protection de témoin. Je passe ma nuit donc en service protection de mademoiselle Baker Wendy. Ok, je viens d'avoir sa position, je vais me l'envoyer. Du coup, William 57, je me rends du coup, pour le moment chez monsieur Dan, médecin. Ouais, elle m'a partagé sa position. Bah, tu me mettras l'adresse sur le GPS. Ouais, ouais. Et 07 qui veut que je le rappelle. Je sais pas ce qu'ils ont tous à m'appeler ce soir. Je sais pas. Je sais pas. Des trucs qu'ils peuvent eux-mêmes régler. Oui, 07, essaie de m'appeler. Allô ? T'as essayé de m'appeler ? Dis-moi. Ok, bah, mettez-moi ça dans votre partie rapport. Et je regarderai. Ok. Ok. Ok, très bien. Ok, parfait. Et bonne soirée. Faut juste que je retourne chercher ma plaque. Est-ce que le Bénis est encore ouvert ? Je pense, j'ai regardé. Mais... que j'aille nettoyer le véhicule là. Oula. Ouais, il est ouvert. Bah, passe au bénisse déjà et puis. Ouais, non, mais t'inquiète. Attends-moi là au pire, je fais ça vite fait. Le monde, c'était 88 et 19. Ok, ok. C'est l'adresse là que tu m'as mis ? Ouais, c'est l'adresse. Ok. En vrai, je mange chez lui, Dan, il a mangé à boire et au pire des... Tiens. What ? What ? Bah, il conduit comme un con, le taxi, là. Et il repart comme ça ? Il repart comme ça.
Ok. Ouais, et au pire des cas, j'ai de quoi. Si t'as vraiment faim, je te passerai ouais, à manger. Non, c'est à boire, juste un truc à boire. Ouais, mais je pense chez Dany Ran. Ouais. Qui vont faire un truc chez lui. Avec ce véhicule, il y a quelqu'un qui nous suit, je lui fais un face-face. Il bah, même pas. Un gros coup de frein à main, il se bouffe la boule à l'arrière. Ah oui. Ah oui, mais même face, hein, t'as vu le mastoc que c'est ouais. Ça fait peur ce truc. Il est ouvert, mais il y a personne. Je sais pas. Ah oh, bah si, il y a un déneige. Je pense que si je rentre directement dedans, on va pas ouais. m'engueuler. Excuse, je me suis permis de rentrer. Allez, c'est parti. Mais ça va, vous prenez pas trop les votre robe dans les. Non, ça va. Il y a le jupon qui lève tout. Ah bah ça va, c'est impeccable alors. Le Beres, ça me rappelle les Russes là qui ont le Bahamas. Ouais, mais moi je suis une Navy Seal, ça pas russe. Oui. Voilà. J'ai mis dans le coffre un gilet pare-balles pour aller au cas où. C'est bon, c'est pour... vous pouvez y aller. Ok. Et puis voilà. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bon, c'est bon. 61 qui m'appelle, mais c'est. Mais. C'est mes enfants en ou... plus, on leur dit fin de service quoi. Enfin, non, oui, service, oui, 61. Ouais, j'ai juste une petite question, oui. Parce que là, il y en a un des deux, même mm-hmm. les deux en soi, il y a prise d'otage et séquestration. Non, il y a juste un. Ah ok, bah... Celui qui a le bandana, il est pas sur la photo, donc... Ouais, mais sauf qu'il vient de nous avouer que son birdie, c'était bien XXXXX, machin, donc il était aussi dessus, quoi. Bah, complicité, ah bah, s'il l'a avoué en état d'arrestation, voilà. Vous lui mettez, oui. Mais du coup, ça veut dire que c'est censé passer en jugement. Mais du coup, on fait comment, là? Il n'y a pas de procureur de rien, si? Si le procureur vous pouvez joindre, mais si ce que vous faites au pire c'est que bah là vous... Ça a coupé 57. Là ce que vous pouvez faire c'est le temps de la procédure, donc remplissage du casier, mm-hmm. rapport, vous laissez en cellule. Puis quand vous sortez quand ils sortent de cellule, vous leur mettez bracelet électronique en prenant bien leur nom et prénom hein, pour que je puisse avoir leur, ouais, mais... leur truc. Et puis voilà. Et s'il y en a un, te... parce qu'il y en a un, il n'a pas sa carte, vous lui faites prise d'empreinte. Et ça donne. Non, mais ouais, attends, je te contacte, je t'envoie un mail, je t'explique un peu la situation. Ah oui, non, mais ok, j'ai capté. Bah vous leur mettez directement le temps que c'est représenté sur le document lespeedy.amende et vous faites ça directement. Et en temps de cellule, pas brûlé ni rien, juste en temps de cellule. Ouais, en temps de cellule. Ok, parfait. Et ils prennent. Voilà. Ok, vas-y, parfait. Vas-y. Merci. En fait, Dan, c'est mon voisin. Mmh. Ok. Enfin, je dis ça, j'ai l'impression que j'ai des maisons partout. Bah, j'ai l'impression, ouais. C'est vraiment mon voisin. Bah, parce que, il y a bah, 70 coup... qui habitent là aussi. Ouais, il y avait anciennement la capitaine. Parce que tu vois, là, moi, c'est cette maison-là. Là. D'accord. Celle-ci. Okay. Là, c'est le commandant. Mm-hmm. Là, c'est le gouverneur. Mm-hmm. Là, je sais plus. C'est le commandant, c'était 02, mais le commandant dormait là. Là, anciennement, c'était le patron du Bénise, Vito. Mm-hmm. Mais là, c'est moi. Il faut qu'on puisse ressortir. Monsieur, là. Allez-y, parce que nous, il faut qu'on puisse ressortir au cas où. Bon, je suis pire, je suis de dire dans. Regarde, je vais me garer devant. Sous le trottoir. Là. Ouais. Puis on fera sauter à contravention. La contravention, c'est j'ai mon. En face. C'est mon voisin, Dan, en fait. Ah! Un de mes voisins? Sûrement. Wendy?
Oui. Ah, t'étais dans tes pensées là. Hein. Dans un autre monde. Oui. Comment tu te sens? C'est un peu mieux? Ça va. Okay. On a croisé une moto verte au délice d'ici, donc j'ai un peu paniqué. Je me suis dit non, non, pas encore. Et puis bon, on est parti. Ok. De toute façon, dès que t'en as marre ou dès que tu vas aller dormir, bah, on va t'emmener. Et rebonsoir. Franchement, vous inquiétez pas, je pense que je suis plutôt bien entouré. Il y a Dan, il y a Devon, il y a Lewis, il y a vous deux. Bah, on a prévu. Pourquoi vous êtes ensemble? Comment ça, pourquoi on est parce ensemble? Ils sont en parce que. Vous êtes tombés? Ah, en sang. Oui, oui, mais. Ah, j'ai compris autre chose. Ah, j'ai compris ensemble aussi. Non, je suis pas en sang. Et t'es malheureux, lui. Si, si, un peu. Non, il a pas de sang. Moi, je le vois, il a un petit au niveau du bras. Il a un petit star. Ouais, là, bah... il y a niveau de là, il y a niveau du bas. Attends. Bon. Ouais, bizarre. T'inquiète. C'est qui tout cela? Ça, c'est Devon et Lewis. Ok, parfait. Je vais juste me donner du coup les sakés et après, si vous voulez rentrer. Et... 10-4, je te donne ça. Bonsoir. Okay. Bonsoir. C'est moi, il galère à se garer là. Ok, parfait. Bah, je vous et paye la réparation. Je peux faire un petit tour, ça te dérange pas? Oui, vas-y, vas-y. Ok, on a une fenêtre là, cuisine, chambre. Ok. Là, c'est fermé, on a une porte. Qu'est-ce qu'on a? Ok. L'étage. Est-ce qu'on peut? Non, ça c'est un peu trop haut. Si un problème, la meilleure solution c'est la pièce là. Étage excentré. Étage, avec les plus petites fenêtres. On peut même faire sortir par la petite apprentie qu'elle a là, sur la toiture, ouais. Extraction à l'arrière. Et puis, Ouais, ok. Bon. Ok. Si jamais je peux ouvrir derrière, hein, si jamais aussi. Ouais, non, je laisse fermer, t'inquiète, c'est bien, t'inquiète. Ok. Au contraire, que ça soit fermé, c'est bien. Là, ok, là c'est garage. Mais pourquoi? Ok. Viens, reste avec moi. Ouais, non, j'essaie par l'autre côté. Ok, très bien. Et là, un bureau. Ok, ok. Faire le tour intérieur et puis. Vas-y. Ah bah c'est comme chez moi, donc là, c'est ça, la cuisine, c'est là normalement t'as le bureau okay. T'as une première chambre qui est la grande chambre qui est là. Ok, ouais, double fenêtre. Okay. Une grande fenêtre de petite. Vous voulez quoi? À l'étage. Là du coup, t'as la salle de bain. Ok, d'accord, avec fenêtre, ouais. Une première chambre. Okay, ouais. Donc avec celle-ci. La, ouais, avec la fenêtre, ouais. Je pense que la meilleure, c'est celle-ci, du coup. Non, ouais, non, même pas, en fait. Ah non, non, on est super. Non, c'est l'autre, là, ouais. C'est l'autre, ouais, c'est l'autre. Du coup, la meilleure, c'est la chambre, c'est... La meilleure possibilité, c'est ça. Ouais. Ouais, éventuellement, là. Ouais, au moins, là. Non, même pas, non, parce que t'as une ouverture, là. Où ça? Ouais, mais si, en, ouais, ouais, là, si. Allongé au niveau du lit. Ouais, ouais, là, du lit, c'est parfait. Couverture, paf, paf. C'est parfait. Oui. Ok. Vous voulez boire quoi, du coup, Jake et je sais pas ton nom. Moi, rien pour le moment. Sans alcool, si t'as un coca ou... Ouais, j'ai du Ramon, si tu veux. On est toujours en service. Ouais, bah j'ai des Ramon, si vous voulez. Ok. Allez. Tenez. Ah merci. Et tiens, Jack, je te passe. Pourquoi il y a trop de place dans ton lit Eh, laisse-moi, j'ai oui, besoin de place. Merci. T'inquiète. Okay. J'ai besoin de place. À copie, t'es viré. Je sais t'es pas. T'es viré. En train de virer, en train de tuer. Ah, il fume. Écoutez, mes messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Attends, je vais chercher. Puis voilà.
Nous, on reste encore un petit peu une petite heure, je pense. Et puis, voilà. Allez, sur ce, bonsoir. Tellement taré ces gens-là. Ah, gros. Par contre, la musique, elle est pas sur le même télé. Ce serait mieux avec une boombox. Attends, je vais aller acheter une boombox. Attends, écoute la musique là. Attends, je vais chercher. Oh. C'est vous, ah, merci. Oh, allez, viens. Rentrez là, bordel. Tiens. C'est quoi cette musique? Il y a Thiago qui va arriver. C'est Lewis qui a mis ça, t'inquiète. Oui.